Bonsoir, chers citoyens, citoyennes, chers membres du Conseil. Alors, nous allons maintenant passer à la question, à la période de questions du public. Et à chaque séance du Conseil municipal, les citoyennes et les citoyens sont invités à poser leurs questions aux membres du Conseil. Je m'adresse ici à tous ceux et celles qui souhaitent participer à ces séances, mais plus particulièrement aux femmes qui, selon nos chiffres, de moins en moins, par contre, se font moins entendre, mais la tendance est en nette progression, notamment depuis la mise en place des questions via le formulaire web. Alors, depuis 2018, nous réfléchissons à nos pratiques de participation publique avec le projet MTL afin de surmonter cet écart. Nous savons que les femmes vivent des réalités différentes que les hommes. Nous avons juste à penser aux enjeux de sécurité ou à la place des enfants pour le constater. C'est pour cette raison que je vous interpelle aujourd'hui. Votre participation à la période de questions nous permet de mieux comprendre vos préoccupations et ainsi de nous assurer que les projets, les plans et les politiques de la Ville de Montréal répondent aux besoins de toutes les Montréalaises et de tous les Montréalais. C'est pourquoi à chaque conseil, depuis que je suis en poste, que je vais répéter cette invitation afin d'encourager les femmes à transmettre leurs questions en grand nombre. Je suis heureuse de constater encore une fois ce soir que nous avons reçu 67 questions provenant de femmes, 49 questions de la part d'hommes, 23 de personnes s'identifiant comme autres et 25 personnes qui ne souhaitaient pas s'identifier. Et donc, nous allons commencer avec la première question qui nous provient de Corey Gulkin à propos de la police de Montréal. Elle est adressée à Madame la mairesse. How does the city determine the size of the of police force? We mean the number of officers across the entire city. Does the city consider alternative means of maintaining public safety, like investigating in social programs? In social programs and decreasing poverty while making this decision. Madame Bourgeois, je vous laisse répondre. Merci, Madame la Présidente. Thank you, Mr. Gulkin, for your question. C'est une excellente question. Vous dire déjà, le service de police de la Ville de Montréal est de catégorie de niveau 5 comme service de police. Donc, il a des responsabilités extrêmement importantes que d'autres corps de police n'ont pas. Déjà, il y a certaines responsabilités qui doivent être assumées et qui nécessitent un certain nombre de ressources humaines et financières. Mais sinon, vous avez tout à fait raison de soulever l'importance de pouvoir investir dans un autre type, une autre forme d'intervention sociale en collaboration avec la police. Et c'est pour ces raisons que la Ville de Montréal est très active dans ses démarches auprès du gouvernement du Québec pour recevoir du financement, pour mettre de l'avant des intervenants civils en travail social pour venir désamorcer certaines situations problématiques, qu'on puisse soutenir le travailleur, le travail des gens qui sont sur le terrain, tout en combinant des équipes mixtes, policiers, ainsi que travailleurs sociaux et communautaires qui font déjà de l'excellent travail dans plusieurs quartiers montréalais. Et on veut voir ce genre d'initiative se poursuivre. Et c'est pour cette raison-là que nous poursuivons nos échanges avec le gouvernement du Québec et nous poursuivons d'ailleurs nos pourparlers et de voir tout ce qui est possible de faire pour pouvoir mettre ça de l'avant rapidement. Merci pour votre question et bonne soirée. Merci beaucoup, Madame Bourgeois. Alors, la question numéro 2 maintenant nous provient de M. Frédéric Bataille à propos de la piste cyclable sur la rue Boyer. Elle est adressée à Mme Giguère. Alors, bonjour, la piste Boyer est dans un état lamentable. J'ai vu plusieurs chutes en raison des cratères présents. Est-ce que cette piste fait partie des pistes qui seront refaites cette année, étant donné qu'il n'y a plus de VAS sur Christophe Colomb? Dans le même axe, la piste bidirectionnelle Christophe Colomb est aussi mal en point et n'est pas sécuritaire aux intersections. Et la largeur est dangereuse pour les vélos ou véhicules plus larges, comme des fauteuils roulants et des remorques. Merci de votre attention et de votre aide. Alors, Mme Giguère, à vous la parole. Merci, Madame la Présidente. Merci pour vos questions, Monsieur Bataille. Donc, la piste Boyer ne figure pas sur la liste de celles qui seront réparées dans le cadre de notre programme d'entretien du réseau cyclable en 2021.
bon, je comprends qu'elle est abîmée. C'est dire, en fait, on procède vraiment chaque kilomètre, chaque axe tronçon a été monitoré, évalué et on y va par ordre de priorité. Donc, c'est vous dire combien il y en a d'autres ailleurs qui en avaient bien besoin. Mais bon, ça ne veut pas dire qu'on peut pas aller faire des interventions ponctuelles. Là, je vous invite à faire un 3-1 là, dans l'arrondissement concerné là, pour que les gros trous soient réparés. Là, c'est quand même possible. Donc, n'hésitez pas à faire appel au 3-1 pour ce genre de requête-là. Pour ce qui est de Christophe Colomb, on ne prévoit pas la refaire non plus. Bon, Boyer, probablement qu'elle va finir par figurer au programme d'entretien du réseau cyclable. Quant à Christophe Colomb, elle figure au plan vélo pour être refaite, repensée. Et donc, il y aura certainement prochainement, dès l'année prochaine, des consultations autour du réaménagement de l'axe Christophe Colomb. Là, on sait que dans ANSIC, d'où vous écrivez, c'est prévu que la piste y soit aménagée autrement qu'en bordure là, sur l'espèce de terre-plein gazonné qui est sur le côté. Donc, voilà. Merci. Merci beaucoup, Madame Giguère. Alors, la question numéro 3 nous provient de Chamille Roger Youngs à propos d'enquête interne à la STM. Elle est adressée à Madame la mairesse ou Monsieur Sauvé. Alors, Marco Gagino a été payé un montant de 24 145 $ pour mener une enquête au sujet de l'attaque contre une femme noire trans par les agents de la STM. Avez-vous une mise à jour suite à l'enquête et quelles en sont les recommandations? Alors, si vous permettez, Madame la Présidente. Oui, Monsieur Norris, allez-y. Oui, je peux répondre comme président de la Commission de la sécurité publique. Alors, effectivement, nous avons été ébranlés par ce que nous avons vu dans ces images qui ont été tournées par les citoyens. Et c'est à la demande de l'administration de la Ville de Montréal que la STM a nommé un expert indépendant externe pour réviser les résultats de l'enquête qui avait été menée sur l'incident. Alors, selon ce qu'on m'informe, la personne qui a été nommée a toute l'autorité à poser toutes les questions à toutes les personnes impliquées et n'aurait pas encore fait rapport à la STM. Donc, on suit le cas avec intérêt. Et ça va être la STM qui va être la première à informer des résultats de l'enquête. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Norris. Alors, la question numéro 4 maintenant traite de décriminalisation des drogues, pardon. Nous provient de Scott Bevins. Elle est adressée à Madame la mairesse. Alors, in January 2021, the Montreal City Council passed a motion to push Ottawa to decriminalize all drugs. Considering that many arrests are related to simple drug possession, why hasn't the city considered adopting a moratorium on drug criminalization in the municipality? Madame Goulet, à vous la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Thank you, Mr. Bevins, for your question. In fact, in January, we passed a nonpartisan motion calling on the federal government to decriminalize simple possession of drugs for personal use. Our priority for the moment is the development of a Montreal harm reduction strategy that we will work with the DRSP, the Regional Public Health Department, and the Coalition Against Harm Reduction in Montreal in the coming months. We also support organizations that work in this direction. The mayor has met recently the Minister of Health, Patty Ajdou, federal minister, where the Vancouver model and the city exemptions from the application of the Federal Simple Possession of Drugs Act were discussed. We are not ready to adopt a moratorium for the city for now, but we have asked our services to study the Vancouver model. Thank you very much for your question. Merci, Madame Goulet. Alors, la question numéro 5 maintenant traite de l'augmentation du budget de la SPVM. Nous provient de Jan Tomaro. Elle est adressée à Madame la mairesse.
Alors, the City Council has claimed that increases to the SPVM budget are largely due to the salary indexes. The SPVM budget was $400 million in 2001, $613 million in 2011, and $680 million in 2021. Thus, it increased 50% between 2001 and 2011, and 11% between 2011 and 2021. Are these the rates of FSR salary index? Madame Bourgeois, à vous la parole. Oui, merci, Madame la Présidente, pour votre question. En fait, merci à vous pour votre question. Pardon, merci, Madame la Présidente, de me donner la parole. Donc, pour répondre à la question, oui, l'indexation des salaires, lorsqu'on regarde le budget du service de police de la Ville de Montréal en 2021, la grande partie de l'augmentation du budget vient donc de cette grande non-ajustement et vient de cette indexation des salaires des employés du service de police. Merci beaucoup, Madame Bourgeois. Question numéro 6 maintenant provient de Kristen Lee à propos des policiers sous enquête. Alors, la question est adressée à la mairesse. Are police officers under investigation placed on administrative leave? If so, are they paid with taxpayers' money during the leave? Madame Bourgeois, à vous. Thank you, Mrs. Lee, for your question. Et dépendamment du dossier dont vous nous parlez, bien sûr, cela relève des ressources humaines du service de police de la Ville de Montréal. Si vous avez un cas particulier à nous soumettre, là, vous pouvez nous le transmettre pour plus d'informations, sans quoi, bien sûr, tout est régi aussi en fonction des lois québécoises sur les normes du travail. Merci, Madame Bourgeois. Donc, la question numéro 7 maintenant parle de stationnement. Il provient de Théonie Sparagis et donc la question c'est « Fix parking problem, no bikes use bike lanes, I need parking ». Monsieur Caldwell. Merci Madame la Présidente. Monsieur Sparagis, thank you for your question. Unfortunately, that wouldn't work. It would not work. Doing nothing, we would have more and more cars in our city, more congestion, less parking places. We have to offer other options for sustainable mobility, for pedestrian, for cycling, for transit. That's what we're doing. There is place for everyone. We need more mobility options, and that would be good. That will be good for everyone. So thank you for your suggestion. I'm afraid that won't work. We need to improve security, efficiency of our bike lanes, of our transit system, and for pedestrians. Therefore, we're distributing the space available for all those options so that we can offer to everyone mobility options. And I would be pleased to exchange have further exchange with you on that object because it's our passion for the future of your city, and I'm pretty sure I could convince you. Thank you. Merci beaucoup, Monsieur Caldwell. Alors, la question numéro 8 maintenant nous provient de Yannick Sternon à propos des négociations avec le SPEM, bref, concernant le groupe de scientifiques à la ville, elle est adressée à la mairesse. Alors, Madame la mairesse, les membres du SPSPEM sont en grève générale illimitée depuis presque 2 semaines concernant leur convention collective échue depuis le 31 décembre 2017. Pourriez-vous nous indiquer votre connaissance des demandes du syndicat, l'état d'avancement des négociations, les raisons de la latence à signer une entente et les impacts de la grève de près de 550 ingénieurs, chimistes, arpenteurs et vétérinaires sur les projets, chantiers, activités municipales et la relance économique de la ville? Monsieur Doré, à vous la parole.
Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, merci beaucoup, Monsieur Cernon, pour votre question. Ben, effectivement, nous savons très, très bien que nos scientifiques, et pour la grande majorité, ce sont des ingénieurs, sont en grève. En ce moment, les demandes du syndicat sont des demandes que nous connaissons très, très bien. En fait, elles sont sur du rattrapage par rapport à la relativité salariale et également l'autre enjeu majeur, je dirais l'os, là, sur lequel le syndicat bute, c'est une compensation pour des concessions qui auraient été faites dans le passé. Alors, je ne vais pas mélanger l'ensemble des chiffres, là, mais je vous dirais que pour la présente année, là, ça nous fait un impact d'environ 30 % et puis un bon 15 % récurrent pour les prochaines années. Alors, nous, ce qu'on souhaite, c'est que le syndicat revienne à la table de négociation parce qu'en ce moment, ils l'ont quitté. Nous étions en médiation. Ils ont décidé, finalement, de voter un mandat de grève et de ne pas revenir. Ils sont inflexibles sur les deux éléments que je vous ai mentionnés. Alors, pour moi, l'important, c'est de revenir à la table de négociation et puis de faire en sorte qu'on puisse, pour le bien des Montréalais, avancer avec les chantiers. Alors, nous, on compte sur l'expertise interne que sont nos scientifiques, les ingénieurs en grande partie, et on va toujours compter sur eux, mais il faut qu'ils reviennent à la table de négociation. Alors, nous, on négocie de bonne foi, c'est au syndicat à revenir à la table. Monsieur Dorin, merci. La question numéro 9 maintenant concerne Expo Dream 2030. Elle nous provient de Wendy Smith et elle est adressée à Monsieur Rotrand. Alors, I have read that Montreal might have another Expo Dream for 2030. You should know that Moscow, Russia, has formally submitted to by Paris organization for same. This gives a potential host 6 months to submit. You should double check with Canadian government. Canada left membership in 2013. Speak with the mayor or council in Toronto. Kristen Young Tam is best source. 5 years ago, in 2016, they hosted the Secretary General to look around. They decided not to proceed for 2025, maybe 2030. Sadly, the Canadian government has no department, no IEP, International Exposition Program, gone dismantled. But Canada trade will take Canada to Dubai 2020, delayed until October 2021, trade only. Participant only, membership outstanding in is approximately 200,000. Membership matters. Thank you, Ms. Smith. I'm not sure if you're in favor or opposed to a bid for the 2030 World's Fair. I know the work that was done by Councillor Kristen Wong Tam. She convinced Toronto Council to adopt the motion to study the possibility of a bid for the World's Fair in 2025. Council went forward. There was a very good study supported by the Chamber of Commerce and most of the business community and other interests in Toronto, a wide range of social interests. And they came back with a report that was pretty convincing why Toronto should bid, but they had no support from the government of Ontario. So in the end, the council decided not to ask the government of Canada to submit for them because it's the country that has to bid. You're right, 2021, we're going to have the Dubai World's Fair starting in October. That was last year's World Fair that was delayed by COVID. In 2025, Osaka won, defeating Baku, Ekaterinburg, and Paris. I think Paris dropped out before the vote. For 2030, only Russia has signaled that Moscow's interested, but I understand that Busan, South Korea, and possibly Houston, Texas, and the United States are considering a bid. Here in Montreal in 2017, I suggested that we look at it, but neither the two main parties, Ensemble Montréal or Projet Montréal, was very warm. And given that there wasn't enough interest, I dropped the idea. If you feel that citizens should get together and reanimate, I will be willing to work with you. Please contact me. Thank you. Thank you, Mr. Rotrand.
There was actually on the other side another part of the question, so maybe if you want to answer to the citizen, it will help. La question numéro 10 maintenant nous provient de Julien Stout à propos de la police dans les écoles. Elle est adressée à M. Norris. Alors, selon la loi du Québec, les commissions scolaires sont censées effectuer une entente avec les forces de police. Cette entente est-elle publique? Et si oui, où peut-on la consulter? Et sinon, comment se fait-il que le public n'y ait pas accès? Madame Bourgeois. Merci beaucoup. Il y avait Madame Bourgeois qui avait levé la main. Les deux, on a levé la main en même temps. On souhaitait répondre à M. Stout. Et puis, je vais répondre, puis mon collègue Norris aura l'occasion certainement plus tard dans ce conseil aussi de répondre à d'autres questions. Allez-y, Mme Bourgeois. Oui, d'accord, merci. Donc, vous dire peut-être une information qui peut être utile là, pour connaître le type d'interventions qui peuvent être menées entre la police dans les écoles. Il y a un cadre de référence qui est public, qui se retrouve sur le site du ministère de la Sécurité publique du Québec. Ça s'appelle « Présence policière dans les établissements d'enseignement » où vous devriez trouver d'ailleurs sur, comme je disais, le site web du ministère de la Sécurité publique pour de quelle façon des actions concertées et efficaces nécessitent une présence policière. Ça peut peut-être vous donner certains outils pour répondre à vos questions. Et si jamais vous souhaitiez là, avoir une entente plus précise, ne pas hésiter à communiquer avec moi pour voir s'il y a lieu de pouvoir mieux vous informer à vos questions que vous deviez avoir au préalable. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Bourgeois. Alors, la prochaine question, la question numéro 11, concerne toujours la police aussi dans les écoles, nous provient de Julia Miranda et elle est adressée à M. Norris. When is the next scheduled date for reviewing the agreement between school boards and police force? Which community stakeholder will be part of the public review process? And how can community members get involved with the process, with this process? Part of the Education Act, Chapter 13.3 and 214.1, a regulation respecting agreements and entered into by school boards with respect to collaboration with police force for prevention and investigation purpose and intervention by police officers on an emergency and when an act of bullying or violence is reported. Madame Bourgeois. Thank you, Mrs. Miranda, for your question. Écoutez, je vais pouvoir vous écrire par la suite, donc je n'ai pas la date à laquelle vous faites référence pour le renouvellement de ces ententes entre les commissions scolaires et le service de police. Je pourrai vous revenir dans une réponse écrite prochainement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Bourgeois. Alors, la question numéro 12 maintenant concerne le fait français, nous provient de Marc Girard. Elle est adressée à la mairesse. Alors, bonjour, Madame la mairesse. Depuis des mois que nous demandons un conseil de la langue française et que vous nous dites qu'il s'agit d'une bonne idée, sans nous dire si vous allez la mettre en place. Aujourd'hui, vous pourrez voter en faveur ou non du conseil puisqu'une motion a été déposée. Est-ce que vous nous assurez que vous voterez en faveur? Meilleure salutation. Alors, Madame Wong, à vous la parole. Madame Wong, on ne vous entend pas. Malheureusement, votre micro est fermé. Merci pour votre question, Monsieur Gérard. Merci, Madame la Présidente. Je suis très contente de vous informer que notre administration est déjà allée beaucoup plus loin que la création du conseil. Nous, on trouve que le conseil de la langue française est une excellente idée. Je l'ai d'ailleurs exprimé aux trois initiatrices de la pétition. Mais pour la protection de notre langue commune, et nous, on ne se satisfait pas seulement d'un comité consultatif. Nous venons de créer un poste de commissaire à la langue française qui est une fonction permanente au sein de la ville et qui aura notamment le mandat de créer ce comité aviseur de la langue française et qui va veiller quotidiennement à l'application et au respect de la charte et à la mise en œuvre de notre plan d'action. D'ailleurs, Madame la Présidente, je suis très fière parce que dès mon arrivée en poste, notre administration travaille très fort pour obtenir l'ensemble des certifications de conformité à la charte de la langue française, une première en 17 ans. Mais j'aimerais vous rappeler quand même qu'il nous en manque deux importants arrondissements, dont les deux sont dans le centre Montréal de l'opposition, ceux de Pierrefonds-Roxborough et de Saint-Léonard, où on ne les a pas encore obtenus. Et je comprends que du côté d'ensemble Montréal, c'est difficile hein, parce qu'ils sont deux à porter les dossiers.
dossiers linguistiques. Hein, c'est ça les titres, les deux porte-parole des dossiers linguistiques. Les deux porte-parole qui ont des positions complètement opposées. La priorité de l'un est de revendiquer son statut d'arrondissement bilingue, alors que l'autre, les mots langue française ne se retrouvent même pas dans son titre. Donc, j'imagine que c'est beaucoup plus facile pour eux de revendiquer l'obtention hein, d'un statut d'arrondissement bilingue plutôt que de travailler à obtenir leur certificat de langue française. Bref, il me semble que le porteur de cette motion, bien M. Parizeau, devra et pourra mettre son énergie là-dessus dans les prochaines semaines parce que visiblement, on nous tire des conclusions françaises, mais après, il faut être cohérent. Et nous, notre administration, on est non seulement cohérent, mais on agit concrètement pour la pérennité de la langue française. Merci beaucoup, Madame Wong. Alors, la question numéro 13 maintenant nous provient de Sherry McLeod sur la sécurité piétonne. Elle fait partie de l'organisme Conseil des aînés de Notre-Dame-de-Grâce. Elle est adressée à M. Caldwell. Mr. Caldwell, the NDG Senior Citizen Council has been advocating for seniors' rights for over 40 years. The Cavendish-Sherbrooke intersection is consistently seen as dangerous for those with reduced mobility, which includes many seniors, to cross. We want to avoid a serious accident or fatality. We appreciate that you and City Councillor Christian Sonneau visited the location recently to see how precarious it is and consider potential measures. While complex to implement, a four-way stop is our preferred solution. Considering the urgency of making safety improvements, when could we hope to, at a minimum, to have an extension of the crossing time? We are also concerned that for those with walkers or in wheelchair, a step up to the sidewalk from the road or going a slightly longer distance is required to access the sidewalk. It would be extremely helpful to rectify this. We appreciate your prompt attention to these crucial pedestrian safety issues. Monsieur Caldwell, à vous la parole. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame McLeod. Thanks for your question. Yes, as you said it in your question, I was there. It was amazing to see thousands of cars and trucks. Few dozens of buses, pretty loaded, I must say, with a lot of people in it, and very few pedestrians. To tell you the truth, I was sad to see so few pedestrians. It's a sign that people don't feel safe, don't feel secure. And we have to work on that street crossing. By improving pedestrian safety, pedestrian ability to cross the street efficiently. You're suggesting to replace traffic light by stop signs. Our teams at the borough and at the city are not convinced into the solution, but part of the solution, as you said it in your question, is to give more time to pedestrian. As I said last month, it's part of our citywide program for all our 2,300 street traffic lights to reprogram them to give more time to pedestrian. It will be made at that street crossing. We've asked at the borough and at the city. Conclusion, Mr. Caldwell? Yeah, we asked for to study other solutions, but that will be done. Thank you for your question. And senior safety is a key part pedestrian senior safety is a key part of our goal. Thank you. Thank you, Mr. Caldwell. Maintenant, la question numéro 14 nous provient de Caroline Dionne à propos de l'itinérance. Alors, depuis, c'est adressé à Mme la mairesse. Depuis le début de la COVID, le nombre d'itinérants avec des comportements agressifs a beaucoup augmenté dans le quartier des spectacles. Presque à chaque déplacement de jour, nous sommes contraints à changer de trottoir, à accepter des comportements inadéquats et à certains moments craindre pour notre sécurité. Quelles sont les actions prévues pour aider ces gens et redonner aux citoyens un environnement sécuritaire? Madame Goulet, à vous la parole. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Madame Dionne, pour votre question. Évidemment, actuellement, plusieurs quartiers sont sensibles à Montréal, particulièrement au centre-ville. Le quartier des spectacles en est un.
La cohabitation sociale entre les résidents, les résidentes d'un secteur et les personnes en situation d'itinérance, c'est toujours un défi, mais encore plus cet été où le déconfinement n'est pas encore terminé, où on vit trois crises, une crise sanitaire, une crise du logement, une crise des surdoses. L'économie de la rue pour les personnes en situation d'itinérance est complètement bouleversée. On voit de plus en plus de personnes consommatrices qui vivent des épisodes psychotiques. C'est vraiment la situation actuellement. Mais nous avons à la Ville deux priorités. D'abord, que les personnes vulnérables aient accès aux services. En ce sens-là, on se réjouit que le gouvernement du Québec ait annoncé vendredi dernier l'ouverture de deux nouvelles ressources, une à l'Hôtel-Dieu et une dans l'est de Montréal, dans un hôtel. Et ce, pour une longue période, jusqu'en mars 2022. Aussi avec une stratégie de placement en logement très ambitieuse. Il y a plusieurs plans de cohabitation sociale qui existent actuellement. Il y en a trois dans Ville-Marie qui ont fait l'objet de rencontres avec les citoyens récemment, dont un au centre-ville et dans le Vieux-Montréal. Il y a beaucoup de ressources qui sont déployées actuellement et je vous invite à en prendre connaissance. Vous trouverez là beaucoup de ressources et si vous avez des questions et besoin d'aide dans votre secteur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Goulet. Alors, la question numéro 15 maintenant traite du budget de la STM. Elle nous provient de Michel Bundy et elle est adressée à Madame Plante ou Monsieur Sauvé. En 2020, on a demandé à la STM de couper 276 millions de dollars de son budget à travers des prochaines trois années. Qu'est-ce qui a été enlevé du budget afin de répondre à cette demande et comment le financement pour la sécurité répond-il à cette stratégie? Monsieur Sauvé, à vous la parole. Merci, Madame la Présidente. Donc, merci, Monsieur Bonnet, pour votre question. C'est certain que avec la pandémie qui est encore en cours, et il y a une baisse d'achalandage dans le système du métro et autobus et en transport adapté. Ça a causé des problèmes, des pertes financières pour tous les opérateurs de transport commun à travers le Québec et à travers le monde, en fait. Donc, les finances de la ville de l'STM sont mises à mal. L'STM évalue présentement plusieurs avenues pour lui permettre de mieux faire face à une situation financière éprouvante. L'RTM est au travail là-dessus également. Mais je vais vous dire, en ce qui traite à la service de l'STM, on est préoccupé pour préserver la qualité de l'expérience client. Et pour cette administration, le coupeur de service, c'est pas ce qu'on souhaite. On pense clairement, non seulement pour des raisons climatiques et qualité de vie pour les résidents de Montréal, mais aussi pour la relance économique de Montréal. C'est important d'avoir un système de transport en commun robuste et très fiable. Il n'y a pas de lien avec le budget de l'SPVM, mais l'STM travaille de son bord pour nos budgets à nous avec l'RTM et le gouvernement provincial et la Ville de Montréal. Merci beaucoup pour votre question. Merci beaucoup, M. Sauvé. La question numéro 16 maintenant nous provient de Ricky Leach à propos de politique au SPVM. Elle est adressée à Mme la mairesse. Alors, quelle est la politique de la SPVM au sujet de l'emploi de la technique de contrôle par l'encolure? Madame Bourgeois, à vous la parole. Oui, je vous remercie pour votre question. C'est d'ailleurs un enjeu qui avait fait l'objet d'une motion au conseil municipal du 24 août 2020, où le conseil avait adopté, avait réitéré que le service de police de la Ville de Montréal et la Ville de Montréal réitèrent en fait que toute technique d'intervention policière par l'encolure de type vasculaire et respiratoire soit interdite. Ça fait déjà depuis 1985 que ces techniques ne sont plus enseignées, ne sont plus pratiquées, sauf en cas de dernier recours là, dans un danger de mort imminent. Donc, vous dire aussi que la Ville de Montréal, dans cette même motion, mais aussi dans son mémoire, dans le cadre des consultations sur la réflexion des services policiers du Livre vert du gouvernement du Québec, avait aussi mentionné que nous devions réévaluer les techniques d'emploi de la force à l'École nationale de police. Donc, vous dire que ça avait bien sûr fait l'unanimité et c'est ce qui est actuellement pratiqué tant par le service de police, comme je disais, Montréal, mais aussi à travers le Québec. Merci beaucoup, Madame Bourgeois. La question numéro 17 maintenant concerne les
publicité sur les toits des taxis. Elle nous provient de Gabrielle Santerre. Elle est adressée au responsable de l'urbanisme. Donc, j'habite dans la petite patrie. Plusieurs reprises depuis le début de l'année, j'ai constaté qu'il y avait de temps à autre une forte lumière colorée, vert, rouge et mauve, qui éclairait l'intérieur de mon appartement depuis la rue. J'ai vite compris que cela provenait de certains taxis qui sont maintenant équipés de gros écrans similaires à une télévision pour faire de la publicité directement sur le toit de leur voiture. Nous sommes déjà sollicités par la publicité à tout moment de la journée dans notre quotidien. Maintenant, avec ces écrans, les publicitaires viennent nous déranger avec la pollution lumineuse et visuelle en éclairant l'intérieur de nos domiciles avec de la publicité non sollicitée. Alors, ma question, allez-vous changer la réglementation pour interdire les écrans publicitaires sur les toits, sur le toit des véhicules? Si ce n'est pas votre juridiction, allez-vous en faire la demande au gouvernement du Québec pour l'interdire? Madame Auzerolle, à vous la parole. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci beaucoup pour la question. Écoutez, je comprends tout à fait votre préoccupation là, qui est tout à fait légitime. Effectivement, avant, il incombait là, à la Ville de Montréal de légiférer sur ce type d'affichage. Malheureusement, depuis le changement de loi au niveau provincial, la loi sur le transport rémunéré de personnes, ce n'est plus dans notre juridiction. Ceci dit, là, comme vous le mentionnez, rassurez-vous, nous avons interpellé le gouvernement du Québec à cet effet pour le sensibiliser à cette question et nous allons poursuivre les efforts en ce sens. N'hésitez toutefois pas à communiquer avec moi si vous avez plus de questions ou si vous souhaitez échanger plus avant. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci beaucoup, Madame Auzerolle. Alors, la question numéro 18 maintenant, à propos du SPVM contrôle dans la rue, nous provient de Hélène Charles-Bradley. Elle est adressée à Madame la mairesse. Alors, la Nouvelle-Écosse a interdit des contrôles dans la rue l'année dernière. Pourquoi la Ville de Montréal n'a-t-elle pas poursuivi une stratégie similaire malgré les conclusions d'une enquête indépendante commandée par les SPVM? Trouvant qu'une personne noire est presque 5 fois plus à risque d'être arrêtée par la police à Montréal qu'une personne blanche et une femme autochtone 11 fois plus à risque. Pourquoi n'avez-vous pas interdit des contrôles dans la rue? Alors, si vous permettez, Madame. Monsieur Norris, allez-y. Oui, je vais répondre en tant que président de la Commission de la sécurité publique parce que c'est justement l'une des questions que nous avions étudiées. À la suite des consultations publiques que nous avons menées au sujet de la politique sur les interpellations du SPVM. Le criminologue Scott Wortley, qui a été nommé comme expert pour faire étude de la situation en Nouvelle-Écosse, a émis un rapport qui pesait les pour et les contre de l'approche qui a été adoptée par la Nouvelle-Écosse et voyait des avantages et des inconvénients aux deux approches. L'approche générale, plutôt qu'une interdiction, qui a été adoptée par les principales grandes villes canadiennes qui ont examiné ce sujet, ça a été plutôt une approche d'encadrement, où les interpellations doivent être enregistrées, où il y a des contrôles, plutôt qu'une interdiction. Et c'est l'approche que la Commission de la sécurité publique a recommandée à l'administration de la Ville de Montréal. Donc, à suivre. Merci beaucoup, M. Norris. La question numéro 19 maintenant parle de recrutement des minorités au SPVM. Elle nous provient de Faith Enaya. Elle est adressée à Mme la mairesse. Alors, what is your proof that recruiting minorities onto the police force has any effect on combating racial abuses by the SPVM? Madame Bourgeois, à vous la parole. Oui, merci beaucoup pour votre question. Beaucoup d'efforts sont menés par le service de police de la Ville de Montréal, oui, pour recruter davantage de minorités visibles au sein de ses effectifs. En premier lieu, pour davantage représenter la population, être à l'image de la population que le service, bien sûr, dessert. Il y a toute une stratégie aussi qui a été menée avec des équipes, une campagne actuellement. Faites partie du changement là, qui est déjà assez déployé autant dans les écoles, auprès de différents services communautaires et tout. Et puis, il y a aussi d'autres actions à l'interne qui ont été menées quand vous parlez là, de quelles preuves, de quels indicateurs. Il y a des équipes internes, des policiers issus de la diversité récemment embauchés, des partenaires communautaires comme le Centre de recherche Action sur les relations
spatiale qui ont été consultées pour orienter les pistes de solutions, parce que clairement, ça passe par un service de police de la Ville de Montréal plus représentatif de la population. Merci. Merci beaucoup, Madame Bourgeois. La question numéro 20 nous provient de Nicolas Bernier à propos de l'expertise interne. Et elle est adressée à Mme la mairesse. Alors, 10 ans après la commission Charbonneau, il est plus que temps que les élus prennent la décision de reconstruire le savoir-faire interne à la Ville et de rompre avec l'entière dépendance face aux firmes de génie conseil privé. Les contrats accordés aux firmes externes qui ont explosé de 674% entre 2012 et 2020, passant de 23 millions de dollars à 173 millions de dollars, en matière de renforcement de l'expertise interne en ingénierie, Valérie Plante ne fait pas mieux que Gérald Tremblay ou Denis Coderre. Pour le moment, il n'y a aucune volonté d'augmenter l'attraction et la rétention d'ingénieurs expérimentés. Est-ce que la mairesse va respecter l'engagement qu'elle a pris il y a 4 ans et assurer l'attractivité de l'expertise interne de la Ville? Monsieur Doré, à vous la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, bonsoir, Monsieur Bernier. Permettez-moi d'être en tout respect absolument pas d'accord avec vous. L'expertise interne, là, si on fait en sorte d'avoir recours davantage à des firmes externes, c'est parce qu'on réalise davantage de projets. Le nombre d'ingénieurs n'a cessé de croître dans les dernières années. En 2016, là, on avait 400 ingénieurs et en ce moment, on en a 520. On a donc augmenté de 30 % le nombre d'ingénieurs à la Ville de Montréal en 5 ans. Vous nous dites que l'attractivité n'y est pas. Or, lorsqu'on regarde avec une firme externe à laquelle on a regardé avec eux pour valider nos chiffres, là, ce qu'on a regardé, c'est plusieurs constats. Premièrement, le taux de roulement, hein, voir les gens, là, est-ce qu'ils quittent la Ville de Montréal? Bien, en fait, le taux de roulement, là, dépendamment des groupes, joue entre 1,2 % à 4,9 %. D'ailleurs, quand on veut combler des postes, on le fait ces dernières années en dedans de 50 jours ouvrables. Alors, le syndicat, je comprends qu'ils font valoir là, que pour l'expertise interne, c'est ce qu'on fait valoir sur la place publique. Mais lorsqu'on regarde à la table de négociation, ni la Ville ni le syndicat n'est en demande sur l'expertise interne. On est plutôt sur les deux aspects où le syndicat est inflexible en ce moment et c'est pour laquelle les négociateurs ont quitté la médiation. Ce sont les deux points que j'ai mentionnés, probablement à l'un de vos collègues juste avant. Alors, un rattrapage salarial important, récurrent sur une relativité salariale et en plus, un supposé rattrapage également donc sur des concessions qu'ils auraient fait dans le passé. Alors, moi, j'invite les syndicats à revenir à la table. C'est là où ça doit se passer. Merci, M. Doré. La question 21 maintenant traite d'un chantier inactif sur Christophe Colomb. Il nous provient de Mme Michèle Bellil. Elle est adressée au maire Croteau. Alors, bonjour, je dois régulièrement circuler sur Christophe Colomb et il y a actuellement plusieurs panneaux de signalisation qui portent à confusion dans le coin de la rue Saint-Zotique. Il ne semble pas y avoir d'activité sur le chantier. Je trouve le secteur très dangereux et j'aimerais savoir dans combien de temps on reviendra à la normale et quelles seront les mesures prises pour corriger la situation actuelle. Monsieur Posé, à vous la réponse. Oui. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, merci beaucoup, Madame Bellil, pour votre question et d'avoir porté à notre attention surtout. Donc, avant de vous parler, j'ai fait mes devoirs. Donc, le chantier qui prévoit actuellement sur ce tronçon de l'avenue Christophe Colomb en est un là, de réhabilitation d'aqueduc, c'est-à-dire que on vient glisser, si on veut, une nouvelle conduite dans la vieille conduite d'eau par des puits d'accès et ce, sans excavation de la rue, ce qui fait que les travaux sont vraiment réalisés sous la voie publique et ça peut donner l'impression parfois que c'est un chantier fantôme et qu'il n'y a rien qui se passe, alors qu'une partie de l'action, si je peux dire, se déroule sous la voie publique. Actuellement, l'information qu'on a, c'est que le chantier est prévu pour se terminer au milieu du mois d'août. Ceci dit, comme on le fait rigoureusement dans chaque situation qui nous est rapportée, on va procéder à beaucoup de vérifications dans ce dossier-là. D'abord, avec nos équipes de soutien, on va vérifier ce qui justifie que le chantier semble présentement en arrêt et voir ce qui est prévu à ce moment-là aussi pour faire une communication aux citoyens et citoyennes du tronçon et aussi au niveau des riverains et riveraines des autres rues aux abords.
Ensuite, pour la question de la confusion des panneaux de signalisation, pendant le temps que je suis en train de vous répondre, je peux tout de suite vous informer que nos équipes sont déjà à pied d'œuvre pour rédiger et envoyer un courriel à l'escouade mobilité afin qu'ils se rendent directement sur les lieux du chantier dès cette semaine pour voir ce qui se produit et s'il y a lieu, procéder aux divers correctifs avec l'entrepreneur. C'est important pour ce chantier comme pour les autres, les rendre sécuritaires. Alors, un retour vous sera fait dès que possible par nos équipes. Merci beaucoup, Mme Bellil. Merci beaucoup, M. Posé. La question numéro 22, maintenant, traite aussi de l'expertise interne. C'est la deuxième sujet. Elle nous provient de Diego Robayo et elle est adressée à Mme la mairesse. Alors, pourquoi y a-t-il une augmentation de 674%, qui est soit 178 millions en 2020, en contrat aux firmes de génie privé seulement pour les infrastructures de l'eau et routières, alors que le rapport de la commission Charbonneau recommandait de renforcer l'expertise interne de la Ville de Montréal. Monsieur Doré, à vous la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Bonsoir, Monsieur Robayeau. Alors, écoutez, je vais répéter ce que j'ai mentionné. La commission Charbonneau mentionnait plusieurs recommandations. Plusieurs de celles-là ont été mises en place par la Ville de Montréal avec des instances de contrôle très renforcées, avec un règlement de gestion contractuelle également que nous avons revu, y compris durant ce mandat-ci, justement pour nous donner plus de mandats. Si on a recours à des firmes externes en complément de ce qui est fait par nos propres ingénieurs, c'est que nous faisons beaucoup, en fait, davantage de réalisation dans tout ce qui est les infrastructures, infrastructures de l'eau, bref, partout où nous avons besoin d'ingénieurs dans la rubrique environnement également. Je vous invite à voir les différences là, entre ce qui se faisait auparavant et ce qu'il y a au dernier PDI. Et vraiment, il y a un monde entre les deux. Quand on parle d'expertise interne, là, je dis juste en 2002, il y avait 140 ingénieurs à la ville. Il a fallu grimper ça. Et en 2016, on est arrivé à 400 ingénieurs. Juste dans les 5 dernières années, là, on a grimpé ça. On est allé en chercher 120. On a créé 120 postes de plus d'ingénieurs à la Ville de Montréal. Alors, moi, je vous dis, là, regardez avec votre syndicat, convainquez les autorités de revenir, en fait, à la table de négociation. C'est là que ça se passe. Votre syndicat est en demande sur deux affaires. Une compensation et la relativité salariale, c'est ça qui fait en sorte qu'ils sont inflexibles. Et ils sont inflexibles, en fait, depuis en deux ans. En conclusion, M. Doré. Revenir à la table de négo avec un médiateur, c'est là que ça se passe. Merci, M. Doré. Alors, la question numéro 23 maintenant, à propos de signaux pour piétons, nous provient de Normand Sabin. Elle est adressée à Mme la mairesse. Alors, Montreal has thousands of intersections controlled by traffic signals and many now have pedestrian signals that run 24/7. The most common types of are 10 seconds straight greens and 20 seconds four ways red, but some are as long as 60 seconds. The problem is when there are no pedestrian, cars, trucks and buses wait unnecessarily, burn extra fuel, and cause excessive GHG emissions. This makes no sense, especially in a city that champions environmental protection. Why not install push button for pedestrians signals? If the button is pushed, the pedestrian signal is activated. If not, the signal is suppressed and vehicles can move. For example, at Van Horn and Descaries, the cycle times is 80 seconds, including the straight greens. If there were push buttons at this intersection, traffic flow would improve substantially and safety would be maintained. Automobile emissions are a major contributor to global warming. A pedestrian push button can make a difference. Monsieur Caldwell, à vous la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Thank you, Mr. Sabin, for your question. Safety is the key issue at street crossing. There has been a program des feux piétons, which was there was an extensive study at the City of Montreal of how can we program our traffic lights to ensure better safety for everyone. And a key part of that is giving pedestrian enough time. That being said, it's our engineers who study the data,
how many cars are passing by, how many pedestrians, what are the different needs, and implement and get this if you done, recommend some different implementation for everybody's safety. So this is the priority for us, giving a safe city for pedestrian and for every street user. So that is the key for having a greener city where people feel safe of walking by. And that's how it's planned and implemented on our streets. Merci, Monsieur Caldwell. La question numéro 24 maintenant traite des constables spéciaux. Une première de FISA Jaffry et elle est adressée à Madame la mairesse. In July 2021, the STM will be granting STM agents new constable powers. How much money will these new constable powers add to the security budget of the STM? And how can you justify an increase in the face of overwhelming support for defunding police? Monsieur Sauvé, à vous la parole. Merci, Madame la Présidente. Thank you, Ms. Jaffrey, for your question. It's extremely marginal. It's almost there's no salary increases for the constables or anything like that. It's just differences in powers and how they can operate within the system. For example, being able to tow cars that are stuck in reserve bus lanes, for example. There was recently, in fact, the collective bargaining agreement that was signed with the inspectors not too long ago. There's no negligible increase. There's a negligible increase for the change of statute. It's not a salary raise that's implied there. It's just a change of operations. Donc en français, juste pour dire, il y a pas d'ajustement de salaire ou il y a un coût très négligeable pour les nouveaux statuts constables à la STM. Donc j'espère que ça répond à la question. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Sauvé. Alors, la question numéro 25, maintenant, traite du définancement du SPVM, nous provient de Sarah Todd. Elle est adressée à Madame la mairesse. Alors, following the death of George Floyd on May 25th, 2020 in Minneapolis, a global movement calling for rethink and reconstituting police and their in public safety. Result in artists and demonstration with a rallying cry to defund police. In March 2021, the Halifax Board of Police Commissioners passed a motion to accept the terms of reference for the committee to define defunding police. Why hasn't Montreal done the same? What is Montreal doing to review research relevant to policing and engage with the police, with the public to get their thoughts on what defunding the police means. Madame Bourgeois, à vous la parole. Thank you, Mrs. Todd, for your question. Bien sûr, c'est un débat où il y a plusieurs questions qui se posent. Et je vous dirais, avant tout, c'est comment on peut mieux financer la police, mais surtout, comment on peut s'assurer que toutes les initiatives communautaires, sociales, le soutien qui est mené par des gens de terrain puissent être assumés financièrement et puissent être soutenu pour qu'on puisse vraiment avoir les bonnes ressources, les bonnes personnes qui puissent intervenir dans des situations qui sont de plus en plus nombreuses. Donc, c'est vraiment ce travail-là qui est mené actuellement par nos équipes, par la Ville de Montréal, les représentations qui sont menées pour assurer à toutes ces initiatives un financement adéquat. Et d'un autre côté, on veut aussi s'assurer que le service de police de la Ville de Montréal puisse avoir les outils et les moyens suffisants pour lutter contre la criminalité, lutter contre la hausse des violences armées en ce moment qui fait rage à Montréal et particulièrement dans les secteurs du nord-est de Montréal. Donc, c'est vraiment de devoir travailler à mieux soutenir le service de police, mieux soutenir aussi les initiatives communautaires, locales et sociales qui sont menées sur le territoire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Bourgeois. Alors, maintenant à la question 26, on parle de nouvelles dispositions de rue. Elle nous provient de Candice Robson et elle est adressée à M. Sauvé ou M. Vaillancourt. I was told that this layout was the only way because bikers complain about getting hit with car doors.
This I understand as to be fixed. So why couldn't we configure the streets, the street the same way as they did on Fielding past Cavendish? Parking, then buffer enough to open the car door, then the bike lane, then another buffer. Our street is much larger. It would work just fine. And I live where we don't even have the new street parking for the next three years and plus. I understand that the bus stop is at the corner, but there would be a safe amount of space for at least 8 cars to still be parked, so we don't have to be far away. I feel like there has to be a way to accommodate the people who have permanently lost their parking. A new configuration to make everyone feel safe is needed. All this attention on biker safety, but none for us. The speed level on our street is dangerous high. And even 3 weeks later, are still getting 3 weeks later, people are still getting jammed at the intersection. Monsieur Sauvé. Merci, Madame la Présidente. Thank you, Ms. Robson, for the question. Lots of items in there. Indeed, Saint Jacques is a very wide street. It's one of the widest streets in the entire sector, and that's why it's a really ideal place, in fact, to put a bike path. And the REV project is something we've seen a lot of success for so far across the city, and will give really great access for active transit between Western Saint-Henri all the way to the Old Port and then all the way up to Hunsick, and you'll be able to stay on the same bike path without having to get off at one time. So it's really advantageous. Most of the parking along the north side of Saint-Jacques is being maintained. There's just that little section that I guess you live in where we can't maintain it for the time being because the STM buses do need a lane because of construction at Lionel Groux. Once that's dealt with, we'll be able to bring back the parking on the north side of Saint-Jacques as was wanted. And as for accommodation, we've added permit spots, zones all around the district to compensate for anyone lost. We're able to add more, which is without a problem. It's something we can do very quickly. We already have a scenario ready if you'd want. And for this year, we've offered the permits at $5 each only for all residents. So we really are, we really did the work to try to accommodate people for parking situations. And like I said, we're flexible on the permits. We can add more, we can take them away, we can move them. There's lots of ability there because we do have a lot of space, and we'll continue to work with you over the next coming weeks. Thanks. Thank you, Monsieur Sauvé. La prochaine question, la question numéro 27, parle langue française. Le conseil de la langue, en fait, elle nous provient d'Elisabeth Lampron. Elle est adressée à Madame Wong. Alors, aujourd'hui, vous allez voter pour la création d'un conseil de la langue française. Même si l'issue n'est pas déterminée encore, je suppose que vous allez voter en faveur, enfin, j'ose croire. Vous avez annoncé la création d'un poste de commissaire à la langue française. Donc, je me demande comment ce nouveau poste créé va interagir avec le conseil de la langue française. Est-ce que vous allez prendre le modèle qui existe entre le conseil interculturel et la commissaire au racisme systémique? Madame Wong, à vous la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci, Madame Lampron, pour votre question. Et comme je disais tout à l'heure, là, on est très fiers d'avoir créé une structure permanente au sein de la ville, soit celle du ou de la commissaire en langue française et de son comité aviseur, qui va veiller quotidiennement là, à l'application et au respect de la charte, à sa mise en œuvre de notre tout premier plan d'action de la langue française de l'histoire de Montréal. Et donc, là où la commissaire de la langue française aura le mandat de créer un comité aviseur sur la langue française, nous avons positionné le poste de commissaire juste en dessous de la direction générale de la ville, parce que notre souhait, bien, c'est que les interactions du ou de la commissaire et du comité aviseur soient non seulement entre eux, mais aussi transversales à travers la ville, hein, avec, puis comme le démontre notre plan d'action, mais aussi des interactions avec le service de développement économique, le service de relations internationales, le service de la culture, le service de la diversité et le BINAM, le bureau d'inclusion des nouveaux arrivants. Et ce positionnement-là, bien, répond directement à l'action 24 de notre plan d'action.
d'action qui porte sur la reddition de comptes. Et parce qu'on souhaite justement agir rapidement sur la question de la langue, bien l'Action 24 prévoit aussi une reddition de comptes annuelle à travers la Commission de la culture et du patrimoine qui aura le mandat de tenir une consultation publique annuelle pour tenir compte des avancées de notre plan. Bref, notre souhait, c'est vraiment d'être exemplaire et c'est d'ailleurs ce que j'ai tenu à faire dès mon entrée en fonction en s'assurant de l'obtention de l'ensemble de nos certificats de conformité à la langue française. Et d'ailleurs, je le répète, il y en a deux qui ne l'ont pas encore obtenu, deux du parti de l'opposition d'Ensemble Montréal. Et donc, j'inviterai le parti à justement obtenir ces certificats dès que possible. Merci, merci Madame Wong. Alors, la question numéro 28 maintenant, nous parle de policiers sous enquête. Elle nous provient de Lucy Uprichard. Et donc, are police officers under investigation placed on administrative leave? If so, are they paid with taxpayers' money during the leave? Et quand les agents policiers sont mis sous enquête, prennent-ils ou elles des congés administratifs? Si oui, sont-ils payés, ils ou elles payés avec de l'argent des contribuables pendant leur congé? Madame Bourgeois. Oui, merci, Madame Uprichard, pour votre question. Donc, bien sûr, ce sont des questions gérées par les relations de travail au service de police de la Ville de Montréal et cela dépend aussi du cas dont il est question et le tout est régi en fonction des lois sur les relations de travail au Québec. Donc, encore là, tout dépend du cas qui est visé. Oui, alors ceci met fin à la période de questions du public, à moins qu'on ait une prolongation autorisée par les juges. Tout à fait, Madame la Présidente. Bien sûr. Je vais proposer 30. Oui, madame. Nous deux ensemble, Monsieur Limoges. En stéréo. Alors, Madame Boivin, moi et Roy proposons en stéréo une prolongation de 30 minutes. Excellent, merci beaucoup. Alors, je vais poursuivre avec la question numéro 29. Qui nous provient de Mme Ginette Santerre à propos du Conseil de la langue française. Elle est adressée à M. Parizeau. Alors, ma question s'adresse à M. Adrien Parizeau. J'ai le mois dernier que vous avez déposé une motion pour demander à la Ville de créer un Conseil de la langue française en même temps que vous avez déposé la pétition de Accent Montréal. Vous venez de joindre les rangs d'Ensemble Montréal. Avant, vous étiez dans l'équipe de Valérie Plante. Alors, pourquoi quand vous étiez au pouvoir, vous n'avez pas créé un conseil à ce moment-là, au lieu de le demander seulement une fois dans l'opposition? M. Parizeau, à vous la parole. Merci, Mme Santerre, pour votre question. Vous savez, je commencerai par vous dire que le pouvoir dont vous parlez est très relatif. Bien que je siégeais comme conseiller associé au comité exécutif, là, j'étais au comité exécutif pour les dossiers du sport et loisirs et de la jeunesse. Et donc, je vous dirais aussi que j'ai appuyé l'idée de la création d'un conseil auprès de mes collègues. Mais vous comprendrez que la décision ultime, c'est là où je reviens à votre principe de pouvoir, la décision ultime revenait à la responsable du dossier, Mme Cathy Wong, mais surtout à la mairesse, puis bien évidemment aussi à son cabinet. Donc, vous savez, la question du pouvoir, si j'avais été au pouvoir, j'aurais respecté certainement la volonté de plus de 18 000 signataires. Et j'aurais proposé d'aller de l'avant. Mais vous savez, la question du conseil, je veux pas m'accaparer l'idée, là. C'est une question qui a été soulevée par Accent Montréal. C'est une question citoyenne qui a été soulevée par trois instigatrices d'une pétition que je remercie énormément. Mais donc, c'est pour ça qu'on a proposé une motion au conseil pour la création du conseil. Puis donc, on en débattra plus tard. On comprend que l'administration ne semble pas encline à vouloir aller de l'avant. Il décide de faire plusieurs amalgames étranges pour m'attaquer ou attaquer notre formation politique. Mais je vous dirais également que c'est une des raisons pourquoi j'ai choisi de me présenter avec Ensemble Montréal et avec M. Coderre, un grand francophile. Et c'est très clair pour moi que M. Coderre, c'est un homme qui adore le français et qui va toujours faire la promotion du français à Montréal. Je peux aussi vous dire que... En conclusion, M. Parizeau. Merci. En conclusion, ça sera pas très long. Je peux aussi vous dire que ce qui est important, c'est qu'on écoute les gens qui veulent un conseil au même titre que le Conseil des Montréalaises, le Conseil Jeunesse de Montréal et le Conseil interculturel et qu'on ne décide pas d'aller contourner la demande citoyenne. Et donc, voilà, on pourra débattre de cette motion plus tard dans le Conseil. Merci beaucoup, M. Parizeau. Alors, la question numéro 30 maintenant, elle nous parle de lampadaire DEL trop puissant. Il provient de Sophie Jean-Garle.
et elle est adressée à Mme la mairesse. Alors, un mois après avoir acheté notre condo sur le plateau, les lampadaires de la rue ont tous été changés, modifiant considérablement l'ambiance de la rue. La lumière bleutée est si forte qu'elle nous empêche de dormir la nuit. Nous avons jeté des rideaux occultants, mais avec la canicule, c'est intenable. On ne peut plus laisser nos rideaux ouverts, regarder par la fenêtre le soir. Je sais que ce projet est entamé par l'administration Coderre, que la puissance des ampoules d'aile a déjà été réduite de 4000 à 3000 cas. C'est malheureusement encore trop fort, en plus de nuire à notre sommeil et peut-être même à la faune et la flore de la ville. Ces ampoules éblouissantes modifient considérablement l'ambiance nocturne des rues de Montréal. Est-ce possible de faire changer les ampoules d'aile 3000 cas par des ampoules d'aile moins fortes et plus jaunes? Je vous remercie pour votre temps. Monsieur Caldwell, à vous la parole là-dessus. Oui, merci beaucoup pour votre question. Effectivement, le changement des ampoules aux lumières, aux ampoules d'aile, a pour objectif justement de baisser les coûts énergétiques, mais aussi de mieux diriger la lumière pour améliorer les questions de sécurité sur l'emprise publique, sur la rue, sur les trottoirs. Donc, avec une meilleure direction de la lumière, on peut, et un spectre lumineux à 3000 cas, on peut diminuer la puissance. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a une diminution de la puissance de l'éclairage dans nos rues, parce que mieux dirigé vers l'emprise publique. Donc, avec ce que je viens de dire, il y a clairement une situation chez vous. Donc, moi, je vais vous inviter à appeler le 3-1. On va voir si la situation peut être réglée, parce que le but des lampadaires n'est pas d'éclairer dans votre résidence, mais bien la rue et les trottoirs. Et à ce moment-ci, on allait avec un changement de spectre lumineux, parce qu'il y a moins de contraste, il faudrait augmenter la puissance. Donc, on veut tous le moins de pollution lumineuse possible. On veut tous que l'éclairage serve à des enjeux de sécurité sans amener de la pollution lumineuse, que ce soit sur ailleurs que dans l'emprise publique, là où on en a besoin. Alors, je vais vous inviter à faire un signalement au 3-1. Il y a peut-être une situation particulière chez vous qui peut être réglée avec l'ajustement des lampadaires. Et sinon, n'hésitez pas à m'écrire pour qu'on en fasse le suivi. Merci. Merci beaucoup, M. Caldwell. Alors, la question 31 maintenant, la troisième à ce sujet, concernant la police dans les écoles, elle nous provient de Jason Walls et elle est adressée à M. Norris. Do school track data and information about referrals by agents socio-communautaires or any police school liaison to school discipline officers or law enforcement? It makes sense that they do, so communities could demand that this information be anonymized and tracked, disaggregated by race, ethnicity, gender, age, and disability status of students, and disaggregate by school within the division. Madame Bourgeois. Thank you, Mr. Walls, for your question. Quelle est la situation que vous évoquez, pas à ce que je sache. Merci. Merci, Madame Bourgeois. Alors, on avait la question 32 qui traitait aussi du même sujet. Il provenait de Adjani Poirier. Alors, comme j'ai déjà eu trois questions à ce sujet, je vais passer par-dessus et m'en aller à la question numéro 33 concernant une procédure au conseil municipal, le procès verbal. Il vient de Bella de Henry et... Et donc, la question va comme suit, elle est adressée à la mairesse. The meeting minutes for for May 2021 City Council meeting are still unavailable on the Ville de Montréal websites. Why are the minutes not being made available to the public in a timely manner? We should be able to see the minutes from the previous meeting before the next meeting occurs. Madame Soulier, à vous la parole. Oui, merci, Madame la Présidente. Thank you for your question. You know, it's like any instance of the world, we have to adopt the minutes before they are diffused publicly. So the minutes were in the documentation for the Municipal Council. So all the councillors
could take a look at it. And for example, Mr. Marvin Hautrin said that it was there was something to correct, and it was done. And now that we adapted the minutes of the last municipal council, they will be on the website as it's normal, and each board work like this. The instant, de l'instance doit d'abord adopter les procès-verbaux avant qu'ils ne soient rendus publics pour l'ensemble des autres personnes. Merci. Merci beaucoup, Madame Tuilier, pour la réponse. Alors, la question numéro 34 maintenant concerne le maire Marinacci et nous provient de Madame Simone Marois. Et donc, elle est adressée à Madame la mairesse. Je suis résidente de l'Île-Bizarre et je trouve déplorable que vous gardiez le maire Marinacci dans votre équipe. Vous avez exclu des gens pour moins que ça. On parle de mauvaise utilisation des fonds publics, mauvaise gestion de l'employé. C'est devenu une farce à l'Île-Bizarre. Est-ce que vous allez exclure de votre caucus un maire qui vous déshonore? Alors, M. Limoges, à vous la parole. Oui, bonjour Mme Marois, merci pour votre question. Alors, vous avez probablement entendu la mairesse plutôt en séance quand le chef d'opposition lui a posé la même question. Alors, les audiences de la Commission municipale du Québec se poursuivent actuellement. Nous allons laisser le processus suivre son cours. Alors, je vous remets, il n'y a rien d'autre à dire pour l'instant. Alors, merci beaucoup Mme la Présidente et merci Mme Marois pour votre question. Merci, M. Limoges. Maintenant, la question numéro 35 parle de policiers sous enquête. C'est la troisième à ce sujet. Il provient de Alana Tain et donc ça est adressé à la mairesse. Est-ce que les contribuables financent les frais des règlements juridiques quand des agents et agentes de la SPVM sont poursuivis pour la mauvaise conduite? Si oui, comment justifiez-vous cette réalité? Madame Bourgeois, à vous la parole. Oui, bonjour Madame Tain. Merci pour votre question. Donc, écoutez, selon le cas, c'est difficile pour moi de me prononcer ce soir. Si on parle de mauvaise conduite dans le cadre des fonctions, j'ai tendance à dire que oui, dans le cadre d'autres fonctions, si c'est à l'extérieur de leurs fonctions, j'aurais tendance à dire que non. Encore là aussi, les normes du travail régissent de quelle façon le tout peut se régler et si oui ou non, les frais des règlements juridiques sont assumés par la SPVM. Merci beaucoup, Madame Bourgeois. Alors, la question numéro 36 maintenant traite de racisme au SPVM. Il provient de Neil Mukherjee. Pardonnez si j'ai mal exprimé votre nom de famille. Alors, elle est adressée à Madame la mairesse. Compte tenu qu'à deux reprises, des agents du SPVM ont traité un journaliste de Rebel News de médias juifs, capté sur vidéo et disponible sur Internet, est-ce que la ville... Qu'est-ce que la ville compte faire? Madame Bourgeois. Je m'excuse, ma main est levée, je la descends tout de suite. OK, mais qui va répondre à la question? Avec la permission de l'administration, je pourrais répondre. C'était adressé à la mairesse, c'est pour ça que je... Je demande la permission parce que j'étais impliqué dans le dossier, c'est pour ça. Allez-y, M. Perez. Avec la permission de l'administration, je n'ai aucunement imposé. Nous avons tous été préoccupés par des allégations très sérieuses. Il y a eu des vidéos où, malheureusement, certains agents du SPVM ont brandi de telles paroles. J'ai trouvé ça inacceptable. J'ai envoyé une lettre au directeur de police du SPVM ainsi que à d'autres personnes et il m'a dit que lui-même, il a été troublé et comme quoi ils allaient faire enquête là-dessus. Donc, on va attendre que le SPVM fasse une enquête là-dessus pour la suite des choses. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Perez, pour cette réponse. Alors, la question numéro 37 maintenant traite de partage des dépenses. Elle nous provient de Mme Micheline Maranda et sur les charges inter-arrondissement. En fait, elle est adressée à M. Rabouin. Alors, M. Tomlinson a appris aux citoyens d'Outremont que l'arrondissement du plateau allait contribuer à la hauteur de 5 000 $ aux frais de la table de concertation acidique mise sur pied par l'arrondissement d'Outremont.
Les coûts de cette table seront de 35 000 $ auxquels il faut rajouter les coûts des études de préparation qui s'élèvent à environ 40 000 $ supplémentaires. Pourtant, cette table, qui sera constituée de 6 à 8 personnes, aura deux participants du Mylan. Ne serait-il pas plus équitable que la contribution du plateau à cette table soit donc de l'ordre du quart et ou du tiers des coûts? Après tout, Outremont a accepté de payer l'intégralité des frais de 10 000 $ qu'ont coûté les deux collectes d'ordures spéciales effectuées par le plateau à Outremont pour la Pâque juive. Les bons comptes font les bons amis, non? Or, M. Tomlinson, à vous la parole. Merci, Mme la Présidente. Merci, Mme Maranda, pour votre question, pour avoir pris le temps de nous écrire encore à ce conseil. Premièrement, juste pour préciser, les collectes que nous avons faites, qui étaient au service de l'ensemble des citoyens de l'arrondissement d'Outremont, était à notre demande. Donc, c'est nous qui avons demandé de l'aide de nos voisins du plateau en ce sens. Pour ce qui est de la participation de nos voisins dans notre table de concertation sur des relations communautaires à Outremont, on est très heureux que la participation du plateau soit au rendez-vous, qu'ils aient accepté notre requête de participer. Évidemment, les relations entre voisins n'ont pas de frontières. Hein, ils ne s'arrêtent pas à la rue Hutchison. Donc, on espère que notre initiative va englober l'ensemble des communautés juives assidiques du Mylan et d'Outremont. Bien sûr, une majorité réside dans l'Outremont, et c'est notre initiative, mais on est quand même très heureux que le plateau ait contribué avec nous au niveau qu'on leur a demandé. Donc, on va voir pour la suite. Peut-être que ça va tellement bien aller qu'ils vont vouloir renouveler cette entente ou retrouver d'autres manières de participer avec nous. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup, M. Tomlinson. Alors, la question 38 maintenant concerne les bacs bruns de compost dans la rue à Villeray. Elle nous provient de Kim Foisy. Elle est adressée à Mme Juliana Fumagalli. Alors, bonjour, Mme Flemagali. Notre merveilleuse Villeray s'embellit à toutes les années, soit par l'aménagement de ruelles vertes, par l'aménagement de pistes cyclables, l'implantation de nouveaux arbres et de nouveaux lampadaires, etc. Cependant, depuis l'instauration du système de compostage dans le quartier, j'admire à tous les jours un décor de bacs bruns dans nos si belles rues, les piétons s'y enfargent et les yeux ne s'y plaisent pas. J'aimerais savoir s'il serait possible de sensibiliser les citoyennes et citoyens de Villeray à ce sujet en distribuant des dépliants aux portes, voire d'appliquer la même réglementation déjà établie pour les déchets et le recyclage, soit de sortir le bac la veille du ramassage à partir de 20 heures seulement et de le ramasser le lendemain. Cela éviterait, entre autres, le parasitage par les animaux, insectes, ainsi que les odeurs nauséabondes. Madame Fumagalli, à vous la parole. Merci, Madame la Présidente. Alors, merci, Madame Foisy, pour votre question. Effectivement, on a des beaux quartiers et oui, on travaille très fort pour tous les aménagements dont vous avez fait mention. Alors, il y a des bonnes nouvelles, au fait. Alors, la première bonne nouvelle, c'est que nous avons un bulletin, le Tournesol, qui est livré porte à porte partout dans l'arrondissement. Donc, sous peu, vous allez le recevoir, ainsi que tous vos voisins et voisines, et où on va expliquer justement exactement quoi faire au niveau de toutes les collectes, vu que le 1er juillet s'annonce. Donc, ça faisait partie de ce que nous allons, faire. Aussi, on a une campagne de publicité pour accueillir les nouveaux arrivants dans notre arrondissement en vue encore du 1er juillet. Donc, dans les trois journaux de quartier, nous allons faire des publicités, encore là, pour expliquer aux gens par rapport aux collectes, etc. Donc, encore là, d'autres informations qui vont être partagées avec tous vos nouveaux voisins et voisines et ceux aussi qui sont encore là, évidemment. Et on travaille aussi avec Ville-en-Vert. Donc, Ville-en-Vert ont des brigades de sensibilisation. Il y a des jeunes qui vont passer porte à porte, faire justement de la distribution d'informations et même donner des billets de courtoisie. J'en ai reçu moi-même un la semaine passée. Donc, peut-être que...
Oui, Madame la Présidente. Donc, peut-être que là aussi, vous allez voir, ça va faire son effet. Et aussi, ben, s'il y a quoi que ce soit, évidemment, n'hésitez pas, vous pouvez m'écrire au bureau et il me fera toujours plaisir de vous répondre. Alors, merci. Bonne soirée. Merci. Merci beaucoup, Madame Fumagalli. La question 39 traitait, c'était une cinquième question sur le SPVM, la police dans les écoles. Donc, elle nous provient d'Adrienne Pan et je lui recommande d'aller écouter le début de la période de questions des citoyens, du public, puisqu'on a déjà répondu à trois reprises à ce genre de questions. La question numéro 40 maintenant traite de fiscalité et de manque de transparence, nous provient de M. Mathieu Poulain. Elle est adressée au maire Tomlinson d'Outremont. Alors, lors du dernier conseil d'arrondissement, vous avez refusé pour la troisième fois de divulguer aux citoyens les chiffres qui sous-tendent la hausse de 15 % de la taxe locale sur les immobilisations, ainsi que les prévisions pour celles-ci. Dans votre réponse en berlicoté, vous m'avez référé à votre déclaration financière où, pourtant, les chiffres à ce sujet sont absents. Pire encore, vous vous êtes vanté d'une baisse du taux. Je vous cite, c'est le taux qui est important, alors que tous savent que le taux ne veut rien dire sans l'associer à l'assiette fiscale. Cela me rappelle votre annonce erronée d'une baisse de taxes locales lors de la dernière présentation budgétaire. Pas surprenant que devant votre faible maîtrise des enjeux de fiscalité municipale, les citoyens cherchent à obtenir des chiffres. Pouvez-vous nous dire par quel principe démocratique vous vous refusez toujours à divulguer ces chiffres qui ont une grande influence sur le compte de taxes des citoyens? C'est M. Doré qui va répondre. Oui, bonsoir, M. Poulain. Alors, ce qui est important là, pour la taxe relative aux investissements, la taxe locale, il faut comprendre que contrairement à la taxe locale pour le budget de fonctionnement, qui, elle, est un choix politique, bien, la taxe locale sur les immobilisations n'est pas un choix politique. En fait, si la taxe augmente, c'est que les réalisations, les décaissements pour l'année précédente ont donc augmenté. Ça veut dire que si localement, Outremont, vous avez eu une hausse de 15 % sur la taxe locale sur les immobilisations, c'est qu'en 2019, votre conseil d'arrondissement a donc beaucoup réalisé et à ce moment-là, ça se reflète dans le compte de taxe. Alors, pour 2021, si vous avez vu votre compte de taxe augmenter de 15 %, bien sûr, il y a les rôles, etc., là, qui jouent là-dedans, mais c'est qu'en 2019, il y a des réalisations. Est-ce qu'on est capable de donner le taux pour la prochaine fois? Non. Parce que ce qu'il va falloir voir, c'est que pour le budget 2022, il y aura à ce moment-là vraiment ce qui sera regardé, c'est l'ensemble des décaissements en investissement pour l'année qui a précédé. Alors, est-ce qu'on va savoir exactement l'ensemble des décaissements associés à cette année-là? Non, on doit tirer la ligne. Alors, voilà pourquoi la taxe locale augmente, parce qu'on est vraiment en lien avec les réalisations. Alors, là-dessus, ça nous fera toujours plaisir, notre équipe politique, le Projet Montréal, de pouvoir vous expliquer des enjeux de fiscalité. Ça me fait plaisir, ça fait certainement plaisir, M. Tomlinson. Merci beaucoup, M. Doré. Alors, maintenant, la question numéro 41 parle de violence et de racisme à la STM. Elle nous provient de Jerry Greco. Concernant l'incident du métro Jean Talon, notamment, elle est adressée à Mme Rosanie Filato. Alors, je comprends que la STM est en train d'investiguer les actions des quatre agents qui ont brutalement attaqué une femme noire non armée dans la station Jean Talon le 17 avril pour déterminer si leur usage de force était justifié. Pouvez-vous sincèrement imaginer des circonstances qui justifieraient l'étranglement et les coups de poing que ces agents ont donnés à cette femme? Alors, s'il vous plaît, merci, merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci beaucoup pour la question, Monsieur Greco. La réponse courte, c'est que non, je ne peux pas imaginer des circonstances qui pourraient justifier ce que j'ai vu comme beaucoup de membres du public dans la vidéo. Cependant, ce n'est pas ce que je pense qui est important. Ce qui est important, c'est ce que pensent les experts. Et nous avons été suffisamment troublés parce que nous avons vu que notre administration recommandait à la STM de nommer un expert indépendant pour revoir tous les résultats de l'enquête interne qui avait été effectuée par la STM.
afin de mettre la lumière sur la situation. Alors, c'est ce que nous avons demandé et c'est ce que le STM a fait. Et une fois que les résultats de cette révision seront connus, ça sera à la STM de les rendre publics, mais on suit la situation avec intérêt. Alors, merci pour votre question. Merci beaucoup, M. Norris. Et donc, la question 42 était la quatrième sur un conseil de la langue française. Et comme on a déjà répondu à trois reprises, j'invite donc Yann Sénécal à écouter le début de la période de questions du public, puisqu'il aura réponse à sa question. Ce qui nous amène à la question numéro 43, qui parle de violence et de racisme au STM. Elle nous provient de Lydia Hull-Brahim. Et traite aussi de l'événement en avril 2021. In April, a black transgender woman was violently attacked by STM agent at Jean Talon Metro. What is the city going to do to ensure that this incident and the myriad of other racist attacks by the STM are not swept under the rug? Monsieur Norris, à vous la parole. Thank you very much for the question. As I just recently said in French, we were sufficiently troubled by the images that we saw that we recommended to the STM that they appoint an independent investigator to review the results of the investigation that was carried out by the STM into this incident. And that an outside expert has been given wide latitude to interview anyone he needs to interview. And to collect whatever information is required to get to the bottom of this case. And we'll be reporting back to the STM. So we look forward to seeing the results of that investigation. We do take seriously the need for independent oversight of any body, whether police or inspectors, that exercise coercive power in dealing with the public. So thank you for your question. Merci, M. Norris. Les trois prochaines questions ont déjà été répondues, puisque posées déjà à trois reprises. Donc, il y avait Mme Smith et M. McFredden-Weitzer qui concernaient la police dans les écoles. Et il y avait une autre question de M. Yves Guillemette à propos du Conseil de la langue française. Donc, j'invite ces personnes à revisionner la portion de la période de questions du public donc qui débutait à 7 heures. Puisque les réponses ont déjà été données à ces sujets-là. Ce qui nous amène donc à la question numéro 47, qui traite d'alcool dans les parcs. Elle nous provient de Mme Marianne Saint-Pierre-Gauthier et elle est adressée aux membres de l'équipe de M. Coderre. Alors, j'ai été choquée de voir votre formation proposer d'interdire l'alcool dans les parcs après 20 heures. Pour les Montréalais qui, comme moi, n'ont pas de cours, c'est de les confiner à leur salon, leur petit balcon. C'est carrément nous voler notre cour arrière. Vous avez corrigé le tir dans les médias, mais je suis encore inquiète. Pouvez-vous vous engager formellement et fermement à ne pas fermer les parcs après 8 heures si vous gagnez l'élection? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'Ensemble Montréal qui veut répondre à Mme Saint-Pierre Gauthier? Sinon, M. Baudry, je vois votre main levée. Allez-y, M. Baudry. Ben oui, ben écoutez, comme les membres d'Ensemble Montréal semblent être muets sur cette question qui est pour moi très importante sur celle d'ouverture des parcs, je pense que ça a été très malheureux d'entendre des candidats à la mairie, le candidat Coderre le plus particulièrement, souligner sa volonté de faire à nouveau un confinement des parcs et des Montréalais et Montréalaises. Donc, je peux rassurer les citoyens que notre formation politique, elle, maintiendra l'ouverture des parcs parce que pour nous, c'est très important pour le bénéfice des familles, pour la santé mentale aussi des Montréalais et Montréalaises. Donc, on réitère encore une fois pour nous l'importance de ces espaces verts importants. Et c'est très triste aujourd'hui de voir qu'Ensemble Montréal ne revient pas sur la déclaration malheureuse de son chef à la mairie. Merci beaucoup, M. Baudry. Alors, j'arrive à la question 48 maintenant concernant les constables spéciaux du STM.
Madame la Présidente. Oui. Je m'excuse, il y avait M. Pérez qui était disponible pour répondre à la question. Là, je pense qu'il y a eu un enjeu technique. M. Pérez est là maintenant, vous le voyez à l'écran. Là, j'ai vu sa main partir et revenir, et M. Norris aussi. C'est juste qu'habituellement, c'est une personne qui répond aux questions qui ont été posées. On a attendu quand même, j'ai même demandé, je comprends qu'il y avait peut-être un enjeu technique, cela dit, là, mais... Madame la Présidente, j'allais dire la même chose. Tantôt, de notre côté, il y a eu un silence. Monsieur Pérez a répondu. On n'est pas intervenu après. Là, on a laissé faire. On avait manqué notre occasion. Et puis, Monsieur Pérez a comblé le vide. Vous n'étiez pas là, Monsieur Pérez. Je suis désolé. La différence, c'est que quand j'ai intervenu, j'ai demandé la permission à l'administration de répondre. Monsieur Baudry a pris la parole après vraiment un silence d'à peu près 20-25 secondes, ouais. Monsieur Pérez. Là, je veux dire, on peut. Non, mais j'ai une règle. Je vous invite à être fair play, là. Monsieur Limoges, de toute façon, là, je veux dire, à chaque fois, là, qu'il y a quelqu'un qui intervient pour une réponse à donner au public, c'est une personne qui intervient, là. Depuis le début de mon mandat à la présidence, c'est ce que je fais. Et je vais maintenir cette ligne-là, ce soir, encore une fois. S'il y a un problème technique, je vous invite d'ailleurs à communiquer avec les services de soutien technique. Donc, je vais lire la question numéro 48 qui nous provient de Rosie Desbiens à propos du financement de la police. En juillet, la Ville accordera de nouveaux pouvoirs aux agents de la STM. Combien d'argent cela coûtera-t-il et comment justifier une telle décision si 54% des Québécoises et Québécois soutiennent un définancement de la police? Les agents de la STM ne sont pas des policiers. Par contre, cette délégation leur donne des tâches semblables à celles des policiers. Monsieur Norris, à vous la parole. Merci, Madame la Présidente, et merci pour la question à Madame Desbiens. En fait, le changement de statut des agents des inspecteurs de la STM, comme l'a expliqué notre collègue Craig Sauvé, vice-président de la STM, n'a vraiment pas d'incidence significative sur les budgets de la STM. Donc, ce dont il s'agit, c'est plutôt une redéfinition de leur pouvoir de manière à être mieux arrimée avec les fonctions qu'ils jouent. Et le rôle de ces inspecteurs n'est pas de suppléer au travail des policiers, mais plutôt d'assurer la fluidité des transports en commun et la sécurité des usagers à l'intérieur du système de transport en commun. Donc, ils auront des pouvoirs notamment pour faire effectuer des remorquages plutôt que d'avoir à attendre l'arrivée d'un policier pour le faire, ou quand il y a des allégations crédibles d'infractions dans les cas d'un touchement, par exemple, d'une usagère du système de transport en commun, ils pourront intervenir sur le champ plutôt que de déployer des tactiques dilatoires en attendant l'arrivée de la police. Donc, c'est ce dont il s'agit. Mais nous, à la Commission de la sécurité publique, nous avons étudié la question et l'une des bonifications que nous avons obtenues, c'était un éclaircissement quant au fait que ces agents, même avec les nouveaux pouvoirs, ne seront pas armés et ne porteront pas notamment de taser. En conclusion. Merci pour la question. Merci beaucoup, M. Norris. Alors, ceci met fin à la période de questions provenant du public. Et je vois M. Bissonnet, probablement, qui a soulevé une question de privilège dans le clavardage, j'imagine, sur la période de questions du public. Alors, M. Bissonnet. Alors, c'était effectivement sur la période de questions. Probablement, la question 27, Mme Wong a mentionné que l'arrondissement de Saint-Léonard n'a pas encore son certificat de l'Office québécois de langue française. Alors, le tout, c'est pour corriger. Évidemment, j'ai le certificat devant moi, émis par l'Office de la langue française. Le présent certificat atteste que l'arrondissement de Saint-Léonard se conforme aux dispositions de la Charte de langue française relative à la langue de l'administration délivrée à Montréal le 10 mai 2021, et c'est signé par la présidente directrice générale, Mme Galarneau. Alors, c'est juste pour corriger que l'arrondissement de Saint-Léonard est en règle et a son certificat pour en conformité avec l'Office québécois de langue française. Alors, je voulais corriger cette situation-là, vous dire que nous avons à l'arrondissement de Saint-Léonard notre certificat de la langue française. Parfait. Merci.
Merci beaucoup, M. Bissonnet, pour la rectification. Alors, Mme Wang. Je suis désolée, Mme la Présidente. Je voulais simplement féliciter l'arrondissement Saint-Léonard et m'excuser de cette erreur. Et on espère alors maintenant que l'arrondissement de Pierrefonds-Roxborough va suivre cet excellent pas. Alors, félicitations à l'arrondissement Saint-Léonard. Merci, M. Bissonnet, et désolée encore. Bonne soirée. Merci. Merci beaucoup, Mme Wang. Alors, je n'avais pas, tantôt, avant la pause du repas, on n'avait pas adopté donc la déclaration 1504. Et donc, après toutes les... on avait mentionné aussi les dissidences qui seront inscrites. Et donc, la déclaration 1504 est donc adoptée. Et nous allons poursuivre, monsieur le leader de la majorité, pour la suite de l'ordre du jour. Oui, Madame la Présidente, avec un énorme plaisir, nous entamons maintenant la partie des éléments pour orientation au Conseil d'agglomération, c'est-à-dire le chapitre 80 de notre ordre du jour. Et dans ce chapitre 80, nous allons aller à pas de course vers le chapitre 20, où nous allons réunir, comme d'habitude, les cinq premiers items de 20.01 à 20.05. Alors, je vais commencer ma lecture et mettre mes lunettes de lecture parce que la quarantaine avance et on dit de plus en plus presbyte. Alors, en 2001, on approuve un projet de convention avec la ministre de la Culture et des Communications relatif à l'octroi d'une aide financière de 25 millions. En 2002, on accorde un soutien financier maximal de 900 000 $ à la Société du quartier de l'innovation de Montréal. En 2003, on approuve un projet d'acte par lequel la ville acquiert la société 4271-947 Canada Inc., un terrain vacant pour des projets de logements sociaux et communautaires. En 2004, on autorise l'ajout de licences au catalogue octroyé à Annex Networking Canada. Et en 2005, on accorde un contrat de gré à gré à Microsoft par l'entremise de son entente avec le centre d'acquisition gouvernementale. Merci, M. Limoges. Madame Gosselin, à vous la parole. Oui, merci, Madame la Présidente. Mon intervention porte sur le premier point, le 80-20-01. J'ai des questions à poser à l'administration parce que cette entente tant attendue, tant espérée, venait à peine d'être annoncée que les premiers intéressés, c'est-à-dire les artistes qui produisent en atelier, se regroupaient en collectif pour s'inquiéter dans les médias du fait que ces nouveaux investissements, qui bien sûr proviennent de l'entente et qui proviennent en grande partie de Québec, mais la ville en a aussi un cinquième, que ces nouveaux investissements qui sont bienvenus risquaient de perpétuer cependant le cycle de développement immobilier et de hausse des valeurs des bâtiments et des baux commerciaux que les artistes craignent en ayant fait les frais déjà à maintes reprises. Alors, je les cite à partir de l'article du 3 juin intitulé pour la pérennisation des ateliers d'artistes, le programme esquive plusieurs problèmes bien connus qui risquent de le rendre peu efficace. Il reste sourd à nos principales demandes qui sont encourager l'acquisition collective d'espaces de production et alléger les taxes payées par les artistes locataires en amendant la loi pour permettre une modulation du taux de la taxe foncière. Je rappellerai que les organismes culturels qui sont éligibles pour un allègement des taxes foncières ne le sont que s'ils sont propriétaires. Et c'est là vraiment le nœud du problème. L'usufruit qui a été négocié dans le cas de Pieds Carrés et dont le point à l'ordre du jour du Conseil municipal 2027 fait l'objet, a été négocié là, vraiment avec beaucoup de difficultés, puis ça ne peut pas être la solution à toutes les fois. Puis d'ailleurs, le million de dollars que nous allons voter au point 20-27, il sert justement à rembourser une dette structurelle accumulée qui, en majeure partie en conséquence de la hausse des taxes foncières que les artistes ont subies suite à leur emménagement dans ces bâtiments aménagés en partie pour eux. Donc, j'aimerais ça savoir, au nom des artistes, j'aimerais savoir si l'administration compte
continuer de travailler sur ce qui préoccupe les artistes le plus, c'est-à-dire une modification de la loi qui va leur permettre de jouir d'un allègement de taxes foncières en étant locataire et s'il va y avoir des incitatifs et des programmes d'inclusion d'ateliers d'artistes qui sont la propriété des artistes en collectif dans les étapes à venir. Alors, j'aimerais savoir qu'est-ce que l'administration répond aux inquiétudes du collectif d'artistes qui ont été soulevées en réponse à l'annonce de l'entente. Merci. Merci beaucoup, Mme Gosselin. Alors, Mme Popianou, je vous laisse répondre. Merci beaucoup, Mme la Présidente. Merci, Mme Gosselin, pour votre question. Je m'attendais que vous vous réjouissiez vraiment de ce programme qui a pris du temps à le mettre en place. Comme vous le savez, le programme, il est sur trois volets, un volet extrêmement intéressant de planification des projets d'espace d'atelier d'artistes, donc financé par même le budget de la ville, avec un soutien financier aux études de planification des projets au niveau à hauteur de 90% pour un montant maximum de 100 000 $ par projet. Donc, c'est une étape absolument nécessaire pour les nouveaux projets, pour ne pas se rendre dans la situation et les difficultés que les autres projets mis en place auparavant ont dû subir. Le deuxième volet, c'est vraiment la réalisation des travaux de rénovation ou de construction pour un montant de 5 millions par bâtiment, donc la même chose, 90% du montant maximal. Et un volet 3 qui est de stabilisation du projet d'atelier d'artiste avec un soutien financier au coût lié aux frais d'exploitation pendant la période de chantier, ce que les artistes nous ont demandé, et aussi un soutien financier correspondant à l'augmentation des taxes foncières générées suite à la réalisation des travaux. Donc, à travers ce programme, on s'est assuré que les nouveaux projets vont être viables et qu'on ne vivrait pas les mêmes situations qu'auparavant. Tout cela pour vous dire que bien sûr qu'on est préoccupé, qu'on va continuer de travailler avec les artistes, avec le gouvernement du Québec, avec le ministère de la Culture et des Communications. Et je rappelle à ma collègue aussi que nous avons triplé l'aide au loyer pour les ateliers d'artistes à travers un programme qu'on a partagé avec le Conseil des arts de Montréal et que des efforts pas à pas et qu'on est très, très heureux et très fiers de ce programme. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Madame Popianou. Alors, il n'y a pas d'autres demandes d'intervention et donc ces dossiers sont adoptés. Monsieur Limoges, je vous laisse poursuivre. Bien sûr, Madame la Présidente, ça nous amène à réunir les items 26 à 20. En 26, on approuve une subvention additionnelle de montant de maximal de 1 673 661 $ provenant du Fonds d'inclusion de l'arrondissement Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce. En 20-07, c'est une subvention de 541 900 $ du Fonds d'inclusion de l'arrondissement Villeray-Saint-Michel par extension. Et en 20-08, on accorde un soutien financier maximal non récurrent de 600 000 $ sur une période de 3 ans, de 2021 à 2024 à Ex-Seine Québec. En 2009, on exerce les options de prolongation pour une période de 2 ans dans l'entente cadre conclue avec la firme Rogers Communication Canada. Et en 2010, on accorde un soutien financier non récurrent de 152 856 $ au Centre de valorisation du bois urbain. Merci beaucoup, M. Limoges. M. Perez, à vous la parole. Merci. Donc, sur le 20.06, on voit évidemment un projet d'envergure dans notre arrondissement. Et où on a évidemment un fonds important qui a été créé en vertu évidemment de la stratégie d'inclusion. Et pour différentes raisons, mais notamment parce que l'administration actuelle veut aller de l'avant avec son propre projet, on doit écouler les fonds à travers différents arrondissements. Donc il a été suggéré et l'arrondissement a bien accepté à ce qu'on utilise le solde dans ce fonds même de 1 600 000 $ et quel pour ce projet-là. Alors, on sait qu'au cours des
la dernière année et au cours des prochains mois et pendant la campagne, on va entendre parler beaucoup de chiffres. Et puis, moi, je pense qu'il va falloir reconnaître, on aura l'occasion d'en débattre, et parler de chiffres, pas seulement d'intention, pas seulement de volonté, pas seulement de ce qu'on veut faire, mais ce qui a été fait. Parce que ce qui est très intéressant, c'est que toutes ces sommes-là, tous ces logements qui vont être créés, ce n'est pas à cause de l'administration, mais à cause des fonds qui y étaient. On peut dire que l'administration a poussé. C'est un narratif qui leur appartient, évidemment, c'est de bon augure. Mais ce que je pense qui va être très intéressant, c'est de pouvoir comparer avec tout ce qu'on a entendu parler au cours des dernières années par cette administration, les véritables chiffres. Les véritables chiffres de réalisation de logements sociaux. Et comme on pourra en débattre pendant la campagne, on va pouvoir voir que les chiffres ne sont pas aussi impressionnants. En tout cas, c'est bien en deçà le volume qu'on entend avec cette administration. Les chiffres sont plus ou moins le même entre le dernier mandat et le mandat actuel, évidemment avec cette année en cours qui va s'ajuster. Je pense que c'est des bonnes choses que de tels projets arrivent. On sait très bien à quel point qu'on a des besoins de logements sociaux. En fait, la liste d'attente n'a pas vraiment bougé, l'aiguille n'a pas tellement bougé sous cette administration. On sait qu'ils misent beaucoup sur le règlement, le 20-20-20, bien que dans leur propre documentation, ils disent que ce n'est pas la panacée, bien au contraire, ils donnent des réalisations et des prévisions assez modestes, et je suis poli pour le dire. Alors, on aura l'occasion d'en parler plus, souligner que c'est un bon projet. Il y a d'autres projets également qui sont en train d'être faits avec des sommes existantes. Et puis, pour la suite des choses, on en aura plus ou moins à discuter. Merci. Merci beaucoup, M. Perez. Maintenant, M. Rotran, à vous la parole. Merci. J'ai quelques mots à dire pour le même dossier, le 2006. Oui, je suis d'accord avec mon collègue Perez, c'est un bon projet. On utilise les fonds dans le fonds d'inclusion pour soutenir un projet de logements sociaux dans un redéveloppement d'une ancienne usine qui devient une zone de 1000 unités de logement. J'aimerais inviter l'ensemble des élus à Snowden, possiblement pour celles, surtout celles de l'est de la ville. Ils sont moins habitués d'être dans mon quartier, et dans notre arrondissement de Côte-Neige, Notre-Dame-de-Grâce. Mais il aurait un surpris de changement dans le quartier la dernière décennie. Madame Président, au nord des voies ferrées, au nord de Gentilan, l'ancienne zone industrielle Namur-Gentilan a presque disparu. On a construit 4000 unités de logement dans un projet connu comme le Triangle. Et il y a des choses qui, investissements qui continuent. Il y a 3 ou 4 bâtiments qui étaient approuvés par le conseil d'arrondissement dernièrement sur les places de la Savane et sur de la Savane, qui va voir la journée bientôt. L'arrondissement a voté une contrat pour la démolition de l'ancienne Cégep Marie-Victorin. On espère, avec le 9 millions de dollars que le conseil municipal a voté, d'avoir une de ces journées bientôt, un projet mixte, école et logement, surtout abordable, où est ce projet Westbury que j'aimerais attirer votre attention. Madame Présidente, il y a quelques années, c'était une ancienne usine abandonnée qui était là pendant des années. Avec les citoyennes, nous avons travaillé un projet pour démolir cette usine, déblayer les terrains, nettoyer la contamination et d'approuver le projet de construction. Le site est presque terminé. Il y a presque 1000 unités de logement. Il y a un supermarché, quelques magasins, et va avoir aussi des logements sociaux. Et le conseil, il y a un mois ou deux, a consacré les noms
parc Élie-Wiesel pour le parc qui va être créé dans ce projet. Le conseil d'arrondissement a libéré les fonds pour effectivement créer ce parc. Mais je profite de ce dossier de revenir à une lettre que j'ai envoyée à notre cher collègue Eric Allen Caldwell. Ça est au sud de Voie Ferrée. Au nord de Voie Ferrée, il y a une station métro, celle de Namur. C'est pas loin dans une ligne directe, mais pour y accéder, les gens doivent aller au sud, prendre Vézina à Dickery, prendre le viaduc pour revenir au nord à Jean-Talon. Et c'est pas très attrayant. Ce qui est nécessaire est une passerelle. Et j'ai écrit à M. Caldwell pour essayer d'avoir l'appui de la ville centre pour financer ça. Le promoteur du projet semble prêt de contribuer, mais je pense que le coût total dépasse ses moyennes ou son volonté. Et j'ai pensé que ça va vraiment ajouter à la possibilité d'avoir un projet où les gens vont utiliser le transport en commun. Il y a deux options. Créer un tunnel pour attacher le projet Westbury à la station Namur, qui est très, très cher, ou bâtir une passerelle qui possiblement va être un maximum de 2 millions de dollars pour que les gens puissent passer les voies ferrées pour marcher relativement rapidement aux stations métro. Il y a des problèmes à solutionner. Le chemin de fer CP était d'accord pour qu'il y ait une passerelle, mais il veut être compensé pour perte de revenus. Ils ont les droits pour des grands panneaux réclames. Ça doit être déménagé, mais c'est une partie du coût de montage pour cette passerelle. Donc, si on va construire, on doit, selon moi, être prêt de dépenser un peu plus pour assurer la mobilité durable pour les raisons éventuelles de ce site. On l'a fait pour le triangle, on doit le faire pour le territoire au sud. Le potentiel de ce secteur est énorme, Madame la Présidente. Jusqu'à l'ouest de là, est le hippodrome de Montréal. Donc, si on veut pas qu'il n'y ait pas autre choix que l'automobile privée, la ville doit faire son part. Ici, tous les membres du conseil d'arrondissement sont d'accord avec ce projet. On l'appuie. Mais on invite encore la ville centre de montrer une volonté d'investir dans des petits projets qui va vraiment rentabiliser les travaux faits par le conseil d'arrondissement. Merci. Merci beaucoup, M. Rotran. Madame De Ros, maintenant, vous la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. C'est pour l'article 80-20.07. C'est pour le montant 541 et 900 000 $ que l'arrondissement va contribuer pour de leur fonds d'inclusion de l'arrondissement. Je remercie mes collègues d'avoir appuyé que nous utilisons notre fonds d'inclusion pour ce projet d'un parc extension. C'est le projet de l'ancienne commerce de Bétonnelle qui était dangereusement localisé sur un grand bâtiment en plein milieu résidentiel, dangereux parce que ils avaient des produits flammables juste à côté des résidences. Le lieu choisi, c'est magnifique pour les résidents qui vont résider là, juste en face d'un des plus beaux parcs que nous avons dans le quartier, excluant le parc Chari. Celle-là, c'est le parc Howard. Alors, les citoyens qui vont se loger dans ce bâtiment éventuellement vont avoir un très bel parc et le réseau des autobus passe juste en traversant le parc. Alors, c'est un excellent lieu. J'ai hâte de voir la construction commencer. Et brique par brique continue de travailler depuis longtemps pour trouver un lieu pour le développement des logements sociaux et abordables. Et je suis vraiment très contente que le projet est presque en avance, qui va commencer bientôt. J'imagine on va voir le projet qu'ils vont proposer à construire au prochain développement de CCU.
Alors, merci à tous ceux qui ont travaillé sur ce projet et merci à mes collègues d'avoir appuyé que ce montant soit utilisé pour le projet de Bétonnel. Merci beaucoup, Madame de Ross. Maintenant, je vais passer la parole à Madame Fumagalli. Merci, Madame la Présidente. Alors, à mon tour, je vais me réjouir que l'argent de notre fonds d'inclusion locale, je dois ajouter que nous avions augmenté donc les obligations pour faire augmenter justement l'argent qui soit mis dans ce fonds local d'inclusion et que cet argent finalement retourne à la communauté dans un projet qui se passe dans le district de Parc Extension, dans le quartier de Parc Extension, un quartier où nous avons une grande pression, où nous avons beaucoup de besoins en termes de logements sociaux et communautaires. Donc, c'est un projet de plus. Évidemment, il nous en faut plus dans la communauté, mais en voilà un bon brique par brique qui est soutenu par la communauté, qui a des obligations communautaires. Donc, on va vers des stratégies d'innovation en termes d'habitation. Alors, c'est vraiment... quoi dire de plus? Nous allons avoir des logements pour les familles, ce qui est un besoin très grand. Dans la communauté, nous avons besoin de grands logements pour les familles qu'on a. Et oui, ça va être un projet qui va être devant le parc Howard, un parc qui va se refaire une beauté au cours des prochains mois. Alors, les familles pourront vraiment jouir d'un environnement, d'un milieu de vie qui sera vraiment nettement amélioré. Alors, c'était vraiment un merci à Brique par Brique et un merci à tout le monde qui a travaillé sur ce projet. Et vraiment, c'est grâce surtout au fait que nous avons bonifié en début de mandat le fonds d'inclusion. Merci beaucoup, Madame Fumagalli. Maintenant, je laisse la parole à Monsieur Baudry. Oui, en droit de réplique sur les 80-20-06 et 80-20-07. Tout d'abord, 80-20-06, je m'étais fait une joie. Je me suis dit, enfin, le chef de l'opposition va parler positivement d'un projet de logement social dans son arrondissement. Il va pouvoir souligner l'impact que ça a sur les nombreuses familles. 121 logements pour familles, c'est pas rien. Mais non, fausse joie. Le leader de l'opposition officielle a décidé de faire une guerre de chiffres, a décidé d'opposer le fait... On en a fait plus que vous, vous prétendez avoir fait ci ou cela, vous vous octroyez quoi que ce soit. C'était pour lui l'opportunité maintenant de souligner un travail conjoint, un travail de collaboration. Le pourquoi on a décidé collectivement de s'engager en politique, tous et toutes, d'offrir à notre population des opportunités, mais de travailler ensemble pour le faire. Parce que les deux dossiers qui sont là, et j'ai été ravi des interventions de Mme de Ross et de Mme Fumagalli, parce que les deux dossiers, c'est parce qu'on a fait un travail d'équipe. Les arrondissements ont contribué, mais pourquoi ils ont contribué? Parce que notre administration a été chercher 79 millions de dollars. 79 millions de dollars au gouvernement du Québec qui nous permettent de débloquer des unités qui n'avaient jamais été financées adéquatement. Des unités qui dormaient, qui ne pouvaient pas sortir de terre. Donc, on ne pouvait pas offrir aux familles des arrondissements les plus touchés par les principes de spéculation des logements adéquats qui respectent leur capacité de payer. Grâce au travail de notre arrondissement, de notre administration, grâce à l'audace des arrondissements qui ont décidé d'utiliser sur le geste qui a été posé par de nombreux autres arrondissements centraux dernièrement, qui ont dépensé leur fonds d'inclusion, eh bien, on peut maintenant offrir à ces familles bientôt des logements, des projets qui se construiront, de la brique et du mortier, qui feront en sorte que nos quartiers soient plus résilients. Alors, je demanderai au chef de l'opposition d'arrêter cette guerre de chiffres et vraiment, je lui tends la main, de travailler ensemble pour qu'on puisse continuer avec des outils qu'on se donne, le droit de préemption qu'on a développé en habitation, le règlement pour une métropole mixte, l'investissement dans la stratégie de 12 000 logements, de nombreux projets innovants, le programme PAR qui permet aux familles d'avoir accès à la propriété, d'être plus en mode addition et moins en mode confrontation et soustraction.
C'est ça, faire de la politique municipale autrement. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup, M. Baudry. Alors, il n'y a pas d'autres interventions au tableau et donc ces dossiers sont adoptés. Monsieur le leader, je vous laisse continuer. Oui, merci Madame la Présidente. Nous allons poursuivre avec la réunification des systèmes 2011 à 2015. En 2011, on accorde un contrat à Vincent Ergonomie pour des services professionnels d'ergonomie exclusifs au SPBM. En 2012, on accorde un contrat à Marco Cournoyer Inspection pour une période de 36 mois. En 2013, nous accordons un contrat à Solotech pour l'acquisition et le support d'une solution d'affichage et de gestion de murs vidéo pour le SPBM. En 2014, on exerce l'option d'une première prolongation de l'entente cadre de services professionnels conclue avec Morneau-Chapelle. Et en 2015, nous concluons des ententes cadres avec Technofeu, Thibault et Associés pour une durée de 24 mois pour des services d'inspection, d'entretien et de réparation de camions d'incendie. Il n'y a pas de demande d'intervention. Ces dossiers sont donc adoptés. Alors, nous poursuivons de 2016 à 2020. Et en 2016, on exerce les deux options de prolongation dans le cadre des contrats accordés à Rossi Béton. En 2017, on accorde un contrat à Duplex Communication Limitée. En 2018, on approuve un projet d'acte de vente par lequel la Ville loue à 92-43-80-43-Québec-Inc. un terrain constitué du lot 6,345,348 du cadastre du Québec. En 2019, on accorde un soutien financier non récurrent de 1,500,000 $ à Développement économique Saint-Laurent. Et en 2020, on autorise une dépense additionnelle de 139,073,76 $ pour des travaux d'installation d'un système de captation des gaz de la source et divers travaux de rénovation pour l'immeuble aux 200 Bellechasse. Merci, M. le leader. Madame Boisvert-Roy, à vous la parole. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, sur le 80-20-18, vente d'un terrain, une compagnie à numéro là, pour une somme d'un peu plus de 1,3 million. Alors, il y avait eu, on se souviendra peut-être, certains d'entre nous, à tout le moins, en juin 2015, il y avait eu un appel public de soumission lancé par le SPGI pour la vente et la mise en valeur d'un terrain et dans notre arrondissement, Madame la Présidente. Et le site, en grande partie, a été utilisé pendant plusieurs années comme cour de voirie. Il a été libéré et nettoyé dans le but là, de pouvoir susciter sa mise en valeur suite au déménagement des installations. Il y avait eu à l'époque une seule compagnie qui avait présenté une soumission qui avait été jugée conforme et le 18 novembre 2015, le comité exécutif avait adopté une résolution qui retenait cette soumission. Par contre, il y a eu nécessité d'une nouvelle résolution puisqu'il y a eu certaines conditions qui n'était pas respecté et on a dû annuler l'appel d'offres et procéder à le désir de vouloir procéder à la vente de l'immeuble de gré à gré avec le soumissionnaire, vu que certaines conditions, là, comme je disais, du cahier de charge qui n'étaient pas respectées à ce moment-là. Alors, comme on le sait, le projet prévoit la construction d'un marché d'alimentation et d'un minimum de 275 unités d'habitation, dont 67 unités destiné au logement social. Et ce qu'on comprend, c'est que des négociations sont en cours présentement entre la Ville et l'acquéreur pour conclure cette fameuse transaction de gré à gré et qu'une promesse d'acquisition devait être signée au début du mois de mars 2021 et que l'acquisition devait se faire là, entre quatre phases d'ici le 31 décembre 2023. Alors là, on comprend du sommaire décisionnel que le soumissionnaire n'est pas en mesure de poursuivre pour l'entièreté du projet pour des raisons de viabilité économique, mais qui souhaite quand même y aller avec la phase 1 sur les logements sociaux et communautaires. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Mais quelle sera la suite? C'est la question qu'on se demande. Évidemment, là, c'est un projet qui a été quand même une saga. Merci à Hochelaga Maisonneuve. Le projet initial avait été discuté là, depuis bien longtemps. On accueille favorablement l'avancement de la portion sociale du projet, mais c'est certain qu'on s'inquiète là, sur ce qui va arriver avec les autres phases, qui sont tout aussi importantes pour le secteur. On parle dans le sommaire décisionnel d'une analyse qui pourrait envisager un appel d'offres sur peut-être une construction pas avant 4 ou 5 ans. Alors évidemment, c'est sûr que cette avenue-là n'est peut-être pas envisageable. On comprend là, du soumissionnaire que les coûts de construction ont augmenté et que ça peut changer là, le plan d'affaires. Mais évidemment,
si le coût augmente, le coût aussi des unités d'habitation va augmenter et la valeur ne sera que plus chère à la vente. Alors donc, question pour notre collègue qui est responsable du dossier, est-ce que la portion abordable ou familiale du projet, est-ce que c'est cette phase-là, cette portion-là qui limite la capacité du promoteur à construire au coût actuel, ou est-ce que le problème est ailleurs? Est-ce que le problème est dans le plan de match global du phasage sur les 4 phases? Alors, bref, réponse souhaitée de l'administration. Ce n'est pas simplement un projet d'habitation, mais une revitalisation, comme vous le savez vous-même, Madame la Présidente, du secteur de la ville qui en a besoin. Merci. Merci beaucoup, Madame Boisvert-Roy. Monsieur De Souza, maintenant, je vous passe la parole. Merci. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, mon intervention, c'est sur item 29. Je prends l'occasion de souligner la collaboration qui a eu lieu entre la Ville centrale et la porteuse du dossier, Monsieur Rabouin, et l'arrondissement et développement économique Saint-Laurent pour la réalisation de cette action. Notre souhait était que ça, c'est une étape qui va porter fruit. Déjà, comme vous savez, à Saint-Laurent, nous avons près de 33 000 emplois qui sont toujours dans le secteur manufacturier. Puis, le projet qu'on avait caressé depuis un certain temps était d'être capable de voir par quels moyens on peut rendre nos compagnies plus productives, par quels moyens on peut les transformer ou migrer nos PME vers le manufacturer 4.0, donc avec l'utilisation de toutes les technologies, soit d'Internet, de robotique, l'intelligence artificielle et j'en passe. Et dans ce sens, le projet qu'on avait dessiné a débuté avec le centre d'expertise industrielle qui a été réalisé, qui sur la rue Hodge et Saint-Croix. Ce projet, ça fait un effort où on est capable de montrer et aider des PME pour se familiariser avec ce genre de technologie et pour autant qu'on a voulu élargir le concept et donc cette CIC, cette complexe innovation de commercialisation, toujours pour la manufacture 4.0, se bâtit sur le projet initial qui a été réalisé. Je pense que le plan d'affaires a été soumis à la Ville-Centre en novembre 2019 et je pense qu'avec cette décision, ça permettra la réalisation de cette étape. Ça permettra, nous, de non seulement offrir ça à des compagnies, des PME à Saint-Laurent, mais aussi, c'est un mandat large pour avec des ententes avec PME-MTL, avec des ententes avec le CRIC, pour être capable de l'offrir cette offre de service pour tous les manufacturiers à la ville de Montréal, donc sur l'île de Montréal. Donc, je pense que ça va être quelque chose qui pourrait être porteur pour nous tous. Ça nous permettra de s'assurer que les compagnies eux-mêmes s'embarquent avec des contributions de financement et la contribution d'équipement, partage d'expertise, et on a tout à croire que ça peut nous amener un peu plus loin dans la compétitivité de nos entreprises. Au-delà de ça, je pense que la collaboration avec M. Rabouin était très, très portable. Merci, M. Rabouin. On a eu du plaisir de travailler ensemble et merci d'être capable de mener cette bateau à port. Ayant dit ça, il reste encore un dernier volet qui reste à être conclu et ça, c'est l'identification de réussite pour avoir le secteur reconnu comme une zone d'innovation. Donc, je pense que ces trois éléments, le centre d'expertise industrielle, le complexe innovation et de commercialisation pour la 4.0 et la zone d'innovation pourraient être non seulement un arrimage qui permettra nous de vraiment réussir et rayonner. Et je pense que je vous invite encore, je tends la main pour être capable de travailler ensemble pour cette dernière étape. Mais entre-temps, ce dossier, Madame la Présidente, augure très bien et je pense que ça va positionner Saint-Laurent, ça va positionner Montréal très bien dans le contexte de manufacture 4.0. Merci. Merci beaucoup, Monsieur De Souza.
Je passe maintenant la parole à M. Baudry. Merci, Madame la Présidente. En droit de réplique à ma collègue Boivin-Roy sur le 80-20-18, écoutez, oui, c'est un dossier qui est éminemment complexe, là, qui traîne depuis longtemps, mais on a travaillé fort avec l'apport d'ailleurs du maire de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, M. Pierre Lessard-Blais et son équipe, vraiment à pouvoir faire en sorte là, que ce projet-là puisse être sauvé et surtout que la partie de logement social soit réalisée. Donc, les 67 unités destinées aux logements sociaux seront réalisées dans les 48 prochains mois. Donc, ça, c'est une excellente nouvelle pour le quartier qui en a grandement besoin. Ces logements-là seront faits parce que, justement, on a démontré la flexibilité sur le développement du site. C'est très bien expliqué dans le sommaire décisionnel. La COVID, le coût des matériaux ont un impact quand même sur le projet imaginé par le promoteur. Mais on ne baisse pas les bras et c'est souvent ce qui arrive dans les projets. Quand, dans les premières phases, le logement social monte, ça fait levier au développement privé. Ça aide le promoteur à montrer un peu de quoi pourrait avoir l'air son projet et permettre là, de peut-être avancer sur les phases abordables et privées. Parce qu'il y a des phases aussi privées dans le projet, là, les phases abordables de 80 logements aux familles et 128 logements là, privés. Donc, on va suivre le projet de près avec le promoteur. L'objectif vraiment, c'est d'y aller par phase. Là, on vend cette partie-là. On a une porte de sortie si le promoteur n'est pas capable de remplir les engagements là, pour les phases subséquentes. Surtout aussi, c'est que notre administration a développé énormément d'outils pour rendre le développement de l'abordable beaucoup plus facile par certains programmes, comme notre programme d'abordabilité pérenne, par exemple. Donc, du fait qu'on a réussi vraiment à mettre en place un environnement favorable au développement du logement social, au développement du logement abordable, bien, ça permet que ce type de projet-là puisse se poursuivre malgré tout. On a vraiment mis une priorité dans le logement depuis le début de notre administration. Voilà. Merci beaucoup, M. Baudry. Maintenant, M. Rabouin, à vous la parole. Merci, Madame la Présidente. Je vais dire en droit de réplique pour 80-20-19, même si je n'ai pas tellement à répliquer, tellement les mots de M. de Souza étaient élogieux, mais je pense que c'est une belle démonstration de la collaboration qu'on peut avoir entre un arrondissement, la ville-centre, quand on place l'intérêt de nos PME manufacturières au centre de nos préoccupations. Donc, on a collaboré ensemble et politiquement. Le Service de développement économique a collaboré avec la direction de l'arrondissement, avec Développement économique Saint-Laurent, parce que on était animés par le même objectif. Les PME manufacturières à Montréal, c'est un secteur économique stratégique de la plus haute importance. Un nombre important de ces entreprises-là sont à Saint-Laurent. Saint-Laurent est à Montréal. Et on voulait être capable vraiment de leur offrir une opportunité des services additionnels pour les aider à accélérer justement le virage numérique vers le manufacturier 4.0 qui est essentiel pour leur compétitivité. Et on voulait le faire en collaboration avec les autres partenaires comme PME Montréal, Monsieur de Souza le souligne. Donc, on arrive avec une proposition là qui ajoute de l'offre de services au bénéfice des entreprises montréalaises, au bénéfice du développement économique de Montréal. L'arrondissement est partenaire financier à la hauteur de ses moyens. La ville l'est aussi, mais le gouvernement du Québec et le fédéral sont aussi des partenaires. Donc, on voulait aussi profiter de cette occasion-là où il y a un ensemble d'acteurs qui se mettent ensemble au service des PME montréalaises. Et c'est toujours un plaisir de collaborer avec M. de Souza et on va continuer à travailler ensemble, évidemment. Merci. Merci beaucoup, M. Rabouin. Alors, il n'y a pas d'autres demandes d'intervention. Les dossiers sont donc adoptés et je vous redonne la parole, M. Lider. Merci, Madame la Présidente. Cela nous amène au système 2021 à 2025. En 2021, on accorde un contrat à ESI Technologies pour la fourniture de services de maintenance des équipements et logiciels une étape de la ville. En 2022, on accorde un contrat à Eurovia Québec Construction. En 2023, on accorde un soutien financier de 100 000 $ à Culture Montréal. En 2024, on accorde un contrat à Procova et en 2025, on accorde un soutien financier non récurrent de 75 000 $ à l'Université de Montréal et la chaire UNESCO en paysage urbain. Merci beaucoup, M. Limoges. M. Salem, maintenant, à vous la parole. Oui, merci, Madame la Présidente. En fait, je vais faire mon intervention sur le point 80.20.22.
Alors, Madame la Présidente, on a eu droit la semaine dernière à un article dans le journal de Montréal qui parlait des pistes cyclables montréalaises. On disait dans l'article que les pistes cyclables manquaient d'amour dans le temps. On parle de nid de poule, on parle de fissures, on parle de crevasses qui se sont multipliées pendant les dernières années. Et avec ce dossier, l'administration, elle va de l'avant et puis elle investit. C'est une bonne chose d'investir et donner un peu d'amour à des pistes cyclables. C'est dangereux pour surtout les cyclistes quand ils sont en train de les utiliser. Par contre, Madame la Présidente, quand on parle de rue locale, on trouve que l'administration du projet Montréal, elle a coupé sans problème. En 2019, l'administration du projet Montréal a décidé d'équilibrer son PTI en coupant dans les programmes d'aide à la réfection des rues locales. Quand on compare, Madame la Présidente, les programmes d'investissement de 2018 et 2019, on remarque une coupe nette à peu près de 361 millions de dollars en voirie locale. Les sommes restantes à ces programmes, ils correspondent aux chantiers déjà engagés, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, Projet Montréal dépense très peu pour les rues locales. L'administration a beau penser que ce sont les arrondissements qui devaient être responsables de payer l'entretien de ces rues. Mais en bout de ligne, on s'entend, Madame la Présidente, les Montréalais et Montréalaises n'ont que faire de ces chicanes de clochers. Pour eux, ce qui importe pour eux, c'est vraiment de savoir que leur route est dans un meilleur état et ils veulent que quelqu'un qui est responsable investisse pour les rendre vraiment sécuritaires. Alors, Madame la Présidente, près de la majorité des routes à Montréal sont locales. On parle à peu près de 48% sur le total des rues, à peu près la moitié, et que seulement 39% des kilomètres de voies pavées étaient en bon état ou en très bon état, selon la dernière étude qui a été effectuée. Donc, on parle de l'administration, Madame la Présidente, elle s'est retirée des 19 arrondissements de Montréal, et on parle d'une somme de 140 millions de dollars qui ont été retirés. Devant l'ampleur de ces besoins, ces sommes sont insuffisantes. C'est évident, c'est insuffisant. L'administration ne peut pas réalistement croire que les arrondissements ont suffisamment de fonds pour aménager et réhabiliter l'ensemble de leurs rues. Projet Montréal sait très bien qu'en charcutant le budget, qu'au final, ce seront moins des travaux qui seront réalisés. Et c'est effectivement c'est le but voulu. Depuis 2 ans, notre parti, Ensemble Montréal, décrit les coupures budgétaires effectuées par l'administration actuelle. Pour chaque dollar non dépensé en maintien et aménagement de rues, ça va certainement nous coûter beaucoup plus cher dans l'avenir. On a déjà vécu un manque d'investissement pendant les 40 dernières années, puis jusqu'à aujourd'hui, on ne réussit pas à surmonter ce manque d'investissement précédent. Donc, dans les prochaines années, c'est certainement les chantiers routiers qui devront se multiplier. Puis, ça va prendre encore de l'ampleur, encore plus longtemps. Puis, on va pas parvenir à rattraper le retard. Donc, les Montréalais et les Montréalaises vont s'armer de patience puisque la ville prévoyait qu'une dizaine d'années était nécessaire simplement pour rattraper le niveau de qualité moyen des grandes villes canadiennes. Donc, on reconnaît bien ici l'administration de Projet Montréal. Elle est prête à dépenser de l'argent pour faire la réfection des pistes cyclables, mais celle-ci refuse d'aider les arrondissements à entretenir leurs rues. La priorité est donnée à certains Montréalais, puis on a déjà gouverné avec pour pas tous les Montréalais en fait. L'administration est encore une fois prise dans sa rhétorique de confrontation aux automobilistes, alors que les besoins sont criants des deux côtés. On ne dit pas qu'il ne faut pas investir dans les pistes cyclables et donner de l'amour à des pistes cyclables qui sont non sécuritaires. Ce que nous devons faire, c'est de vraiment trouver un équilibre pour effectuer les deux en même temps. Rendre les rues locales plus sécuritaires et rendre les pistes cyclables certainement plus sécuritaires. Donc, donner de l'amour aux deux et non pas à un aux dépens de l'autre. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Monsieur Salem. Il y a Monsieur Ouellette maintenant. À vous la parole. Votre micro, Monsieur Ouellette, est fermé. Merci, Madame la Présidente. Donc, en droit de réplique pour le 80.22. Quelques commentaires. Donc, oui, en termes de kilomètres, le réseau artériel et le réseau local ont à peu près la même distance. Par contre, il faut savoir qu'en termes de mètres carrés,
le réseau artériel est évidemment beaucoup plus important. Hein. Il faut savoir que une rue locale a, règle généralement, une voie de circulation avec du stationnement. Les voies artérielles ont souvent plus qu'une voie, mais c'est surtout au niveau de la dégradation et au niveau de l'achalandage. Hein. Donc, les rues artérielles, évidemment, c'est là que tous les circuits d'autobus passent, c'est là que tout le camionnage, en tout cas, le réseau officiel de camionnage passe. Ils sont extrêmement sollicités. La majorité des pistes cyclables aussi passent là. Donc, essentiellement, je veux dire, l'essentiel des déplacements des Montréalais et de ceux qui viennent à Montréal se font essentiellement sur le réseau artériel. Donc, il y a vraiment souvent le dernier 5% dans le fond, là, juste pour quitter chez soi. Mais ça, c'est quand on habite sur une rue locale. Parce qu'il y en a beaucoup de Montréalais qui habitent évidemment sur des rues artérielles. Donc, pour se rendre à une rue artérielle, se rendre à destination, peut-être aussi le dernier petit bout, se rendre à une rue locale. Donc, ça, c'est plus au niveau des statistiques dans leur ensemble. Il faut savoir aussi que notre administration a mis énormément d'argent et continue de mettre énormément d'argent au niveau des routes. Hein. J'ai regardé là, juste au niveau du PDI pour l'année 2021 uniquement. Si on prend évidemment là, au niveau des ponts, les rénovations, les PCPR, PACPR, donc tout ce qu'on fait au niveau de mon service, on est là, 179 millions de dollars. Et ça n'inclut pas les grands projets. Donc, grands projets, oui, des fois, ça inclut évidemment la partie souterraine, mais ça inclut beaucoup aussi la partie en surface. Et là, on parle d'immenses projets. Des fois, c'est nos propres projets. Des fois, c'est des projets partenaires. On va penser évidemment au SRB P9. Hein. Juste cette année, on met 40 millions de dollars. Le REM, on a des investissements à faire dans le REM. Griffintown, on peut penser évidemment à la compression de Sainte-Catherine, Saint-Hubert qu'on a terminé récemment, Remembrance qui commence. Et sans compter aussi les choses qu'on aide aussi les arrondissements, là, bon, les rues piétonnes, Vision Zéro, etc. Concernant plus spécifiquement l'aide qui est arrivée au niveau des arrondissements, il faut savoir que c'est pendant à peine quelques années, donc seulement à partir du PTI 2012, que la Ville-Centre a décidé d'aider les arrondissements au niveau des rues locales. Parce qu'il faut savoir que la gestion des rues locales, là je parle juste de la surface, c'est vraiment de compétence d'arrondissement via leur PTI d'arrondissement. Souvent les arrondissements, quand le service de l'eau vient faire des travaux, des fois si on doit éventrer la rue, ben, on la reconstruit au complet, donc ça des fois c'est une économie pour les arrondissements. Donc il y a eu une aide notamment au niveau du pavage pendant quelques années. Par contre, on a vu que c'était une aide. Donc, vraiment, la Ville-Centre n'avait pas d'obligation de venir aider les arrondissements dans leur champ de compétences. Mais en plus, on s'est rendu compte que, la statistique à l'appui, quand les arrondissements ont reçu pour la majorité ces nouveaux fonds-là, ils se sont désengagés avec leur propre PTI à faire des rues locales. Donc, en gros, ce qu'on souhaite maintenant, c'est que finalement, tout le monde respecte ses champs de compétences respectifs. Et aussi que les arrondissements aient également une culture de l'entretien du réseau routier. Hein, parce que, évidemment, c'est toujours plus fun de faire un paquet de choses dans les arrondissements, mais on doit aussi investir au niveau des trottoirs, au niveau de la rue et aussi au niveau de la ville de Montréal. C'est sûr que si on avait tout le monde plus d'argent, on en ferait plus. On a hérité d'un déficit d'actifs assez important. Mais ceci étant dit, il faut prioriser des choses. Et au niveau de la Ville-Centre, bien évidemment, l'eau, c'est extrêmement prioritaire. Nos artères commerciales, le grand boulevard, etc. Aider les différents projets qui se sont accélérés au niveau de nos partenaires, bien écoutez, ça, c'est la priorité au niveau de la Ville-Centre. Donc, c'est ça qu'on fait aujourd'hui. Mais évidemment, est-ce que ça va pouvoir changer dans les prochaines années? Oui, parce qu'il y a certains projets qui vont éventuellement peut-être diminuer. Si on peut avoir une certaine capacité, si une diminution par contre de certains des projets, est-ce qu'on pourrait imaginer dans un futur pouvoir réaccompagner les arrondissements? Oui, mais ça n'empêchera pas que les arrondissements doivent prendre les choses en main et doivent aussi avoir une culture d'entretien de leurs actifs. Merci. Merci beaucoup, M. Ouellet. Alors, il n'y a pas d'autres demandes d'intervention à ce moment-ci et ces dossiers sont donc adoptés. Monsieur Limoges, poursuivez.
Oui, ce qui nous amène à poursuivre avec la réunification des items 2026 à 2030. En 2026, on accorde un contrat aux entreprises Vantec. En 2027, on accorde un contrat à solution Smart Use pour un outil collaboratif d'analyse. En 2028, on conclut des ententes cadres avec la firme Denis Béton, qui est une division du groupe CRH Canada. En 2029, on accorde un contrat avec le groupe LML pour l'exécution de travaux de la mise à niveau de la station de pompage Côte des Neiges. Et en 2030, on accorde un contrat aux entreprises Cloutier-Gagnon. Il n'y a pas de demande d'intervention. Les dossiers sont donc adoptés. Magnifique. Alors, poursuivons avec les items 2031 à 2035, Madame la Présidente. En 2031, on approuve une subvention additionnelle de montant maximal de 540 000 $ provenant du fonds d'inclusion de l'arrondissement Saint-Laurent. En 2032, on accorde un contrat à Biocontrôle Arbocol. En 2033, un contrat au groupe Senco Inc. En 2034, une entente cadre avec PSB Chaleur. Et en 2035, on adopte l'avenant 2029 au contrat de près de 150 millions conclu dans le cadre du programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises. Merci. Alors, Monsieur de Souza, je vous passe la parole. Allez-y. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, mes commentaires sont en 2031. Est-ce que c'est inclus ou est-ce que ça… Oui, c'est de 2030 à 2035. Excellent. Allez. Juste, Madame la Présidente, le mois passé, il y avait un certain questionnement et vous vous souvenez très bien que dans la discussion, on a trouvé que certains dossiers ont été avancés, mais le nôtre pour lequel on était avisé en très court préavis, dont le membre du conseil a pas eu l'occasion même d'être saisi du dossier puis d'être capable de prononcer. Mais depuis ce temps-là, on avait eu l'occasion de présenter des options. Ici, nous avons un montant d'argent qui était accumulé et qui était là suite à l'accumul des stratégies pour l'inclusion. Et puis, ça montait à 540 500 $. Je pense que notre conseil était très ouvert de consacrer ces montants-là pour un projet qu'on avait déjà approuvé et qui nécessitera un montant d'argent pour compléter le financement. Le projet en question, qui est situé dans le secteur Bois Franc, va avoir un nombre significatif en termes de logement social. Je pense qu'on est content avec cette réalisation. 169 logements sociaux. Je pense qu'il y aura aussi un montant significatif qui va l'avoir non seulement le deux chambres à coucher, mais aussi trois chambres à coucher, quatre chambres à coucher. Donc, je pense que ça répond à un besoin. Vous savez, Madame la Présidente, Saint-Laurent, c'est un pôle d'attraction pour les familles sur l'île de Montréal. Et effectivement, ce besoin va être rempli pour les familles qui se trouvent sur notre territoire ou qui viendra d'ailleurs. Ça permettra de non seulement être bien situé à côté d'une école, une future école primaire qui va être en construction, pas loin de la gare Bois-Franc qui est en train d'être complétée pour la REM, près des parcs qui sont en toute proximité dans le secteur Bois-Franc et ultimement un bâtiment qui va être construit et avoir une certification LEED. Je pense que dans ce sens, cet argent, avec l'argent qui viendra bien sûr de la ville-centre, va avoir un effet de non seulement dans un lieu qui était propice avec tous les services à proximité, mais de compléter 169 unités et toujours dans un esprit de développement durable pour avoir la certification environnementale qui va être importante. On a travaillé très étroitement avec le CRD Bâtir son quartier et puis je pense qu'avec Mme Cyr et autres et le groupe qui réalise ce projet, on a tout à croire que ce projet, une fois réalisé, va bien répondre à un besoin que nous en avons. Et donc, je pense que avec Mur Étude, on est très content d'être capable de voter en faveur, non seulement de le montant qu'on avait fait avec très court préavis le mois passé, mais aujourd'hui, pour être capable d'avancer ça au conseil d'agglomération. Merci, Madame la Présidente. Parfait. Merci beaucoup, Monsieur de Souza. Je passe maintenant la parole à Monsieur Baudry.
Oui, Madame la Présidente, en droit de réplique sur le même point, le 20-31, la coopérative Laurentienne, ben, on est très content. On est très content que finalement l'arrondissement ait décidé de participer. Je pense qu'ils ont été inspirés là, par la vague là, de participation des autres arrondissements des quartiers centraux qui ont décidé justement de contribuer à leur projet, de vraiment sortir les sommes des coffres pour qu'on puisse réaliser pour notre population là, des unités de logement social dont ils ont tellement besoin. Et ça, encore une fois, c'est vraiment le résultat du travail qui a été fait par notre administration et par les quartiers aussi. Cette administration qui, je le rappelle, a été chercher 79 millions de dollars pour débloquer ces unités-là un peu partout à Montréal. 79 millions de dollars qui n'étaient pas prévus pour développer ces unités. Donc, vraiment, plus de mixité additionnée à toutes les mesures qu'on a mises en place depuis le début de notre administration. D'ailleurs, une zone abordable sera en plein cœur aussi de Saint-Laurent. Hein? On aurait aimé que l'opposition vote avec nous sur ce dossier-là. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Toutefois, on continue d'avancer à petits pas. Je pense qu'on va y arriver tout le monde ensemble. Donc, on salue vraiment le travail là, de collaboration là, que finalement l'arrondissement de Saint-Laurent a décidé de faire là, pour réaliser ce projet de coopérative d'habitation. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup, M. Baudry. M. de Souza, est-ce que c'est une vieille main? Parce que... Non, Madame la Présidente, juste je profite de corriger mon collègue. Il avait parlé comme étant... Il y avait un droit de réplique. On était tardif dans ça. Mais, Madame la Présidente, corriger la situation. M. de Souza, on n'était même pas conscients. Il y avait un droit de réplique qui avait été dit. Il faut dire les vraies choses. Alors, s'il vous plaît. M. Baudry, j'espère que vous avez... Merci. Madame la Présidente, je pense que M. de Souza, bon, je vois que M. de Souza est encore en train de parler, là, juste pour son bénéfice, qu'il sache que son micro a été coupé et qu'on n'a pas entendu ce qu'il a dit, mais je pense que M. de Souza soulevait une question de privilège. Alors, ce serait possible. Il n'a pas mentionné une question de privilège, Mme Boisvert-Roy. Je pense qu'il voulait répliquer à M. Baudry qui avait déjà mentionné son droit de réplique. Mais il avait bien compris, monsieur. On a bien entendu monsieur Baudry qui avait émis son droit de réplique. Alors, oui. Je laisserai peut-être mon collègue de Souza s'exprimer, si vous le permettez, madame la présidente. Ben, en fait, il l'a dit clairement qu'il voulait rectifier les dires de monsieur Baudry. Donc, considérant qu'il avait déjà un droit de réplique, on pouvait pas, je peux pas lui accorder le droit de parole à ce moment-ci. Vous le savez bien, les règles. Oui, je comprends. Mais ce que je comprenais également, c'est que c'était un point de privilège de mon collègue. S'il y a une rectification, c'est qu'il y avait c'était une... C'était pas un point de privilège, Madame Lalidar. Désolée, il l'aurait mentionné d'entrée de jeu ou il aurait pu même le signaler. Mais est-ce que vous pouvez lui demander, Madame la Présidente? Madame la Présidente, ça serait le fond. Madame Boisvert-Roy, je vous dis que c'est un droit de réplique, que je l'applique ici. Et malheureusement, M. de Souza n'avait pas le droit de s'exprimer sur ce dossier-là. Très bien. Merci. Alors, M. Limoges, il n'y a pas d'autres interventions à ce moment-ci. Je vous laisse donc poursuivre l'ordre du jour. Merci infiniment, Madame la Présidente. Alors, nous allons poursuivre dans la joie et l'allégresse en réunissant les items 2036 à 2040. Et en 2036, on approuve les addendas aux ententes de délégation intervenues entre la Ville de Montréal et les six organismes PME Montréal. En 2037, on approuve une subvention additionnelle d'un montant maximal de 804 015 $ provenant du Fonds d'inclusion de l'arrondissement Ville-Marie. En 2038, on autorise une dépense additionnelle de 146 606 $ dans le cadre du contrat conclu avec la firme SIA Partenaire Inc. En 2039, on approuve un projet d'acte par lequel la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue crée en faveur de la Ville de Montréal une servitude d'utilité publique. Et en 2040, on accorde un soutien financier non récurrent d'un montant maximal de 100 000 $ à Communautique. Monsieur de Souza, à vous la parole. Merci, Madame la Présidente, pour l'intervention et pour 2038, s'il vous plaît, Madame la Présidente. Oui, OK, allez-y, Monsieur de Souza. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, il y a bien un service qui semble qu'il y ait eu des coupures, c'est ce service de performance organisationnelle. Aujourd'hui, on vote un renouvellement de l'entente cadre pour optimiser la chaîne logistique. Le problème qu'on se demande est que le service de performance organisationnelle a reçu comme mandat sur l'administration
il y avait 1 milliard de dépenses supplémentaires en 4 ans. Donc, clairement, très peu d'intérêt pour optimiser, plus grand intérêt pour dépenser. L'objectif de ce service est de faire en sorte qu'on améliore la productivité de service pour sauver l'argent. Ici, on espère que cet argent-là va être utilisé dans un contexte rendre les services plus performants. Mais je pense que ça reste à voir. D'un côté, on se demande pourquoi les Montréalais payent pour un service qui n'est pas vraiment mis à la disposition pour maximiser les bénéfices de l'argent des contribuables. D'autre part, on pense que le service est de plus important, plus que jamais. Et je pense que ici, il y a une certaine ambivalence. Ayant dit ça, il faut reconnaître que l'administration a bien compris que ce service n'était pas aussi primordial qu'il pourrait être sur une administration plus rigoureuse. Ils ont tellement bien compris que le service de performance organisationnelle est le seul service qui a vu son budget coupé en 2021. Donc, autant, nous, on est en faveur de ce renouvellement et avec l'espoir qu'on peut trouver des moyens de encore faire travailler ce service pour le bien de tout le monde. Pour le dernier point, Madame la Présidente, je vous avoue que les propos de M. Baudry dans le dernier item étaient fausses. L'arrondissement n'a jamais été averti avant. Merci beaucoup. Merci, M. de Souza. Question de privilège. M. Baudry, allez-y avec votre question de privilège. Je demanderai à M. de Souza de retirer le terme faux. Je dirais, je vais remplacer par le mot inexact. Merci, M. de Souza. Alors, il n'y a pas d'autres demandes d'intervention. Les dossiers sont donc adoptés et M. Limoges, je vous laisse poursuivre. Oui, Madame la Présidente, nous allons poursuivre de 2041 à 2045. En 2041, nous accordons un soutien financier non récurrent de 200 000 $ à Culture Montréal. En 2042, nous accordons un soutien financier maximal de 1 954 667 $ à Jalon Montréal. En 2043, nous accordons un soutien financier non récurrent totalisant 480 000 $ à différents organismes. En 2044, on accorde un soutien financier non récurrent totalisant la somme de 1 059 320 $ à différents organismes. En 2045, on résilie l'entente cadre conclue avec multi-distribution industrielle. Et c'est tout pour l'instant. Merci beaucoup, M. Lider. Il n'y a pas de demande d'intervention au tableau, donc ces dossiers sont adoptés. On poursuit. Bien sûr, on poursuit avec la réunification des items 2046 à 2050. En 2046, on accorde un contrat de service professionnel à Simo Management. En 2047, on accorde un contrat à Construction d'Éric. En 2048, on accorde un contrat à 9200-2088 Québec Inc. du Rock Inc. Construction. En 2049, on conclut une entente cadre pour la fourniture de services professionnels en architecture et en ingénierie. Et en 2050, on accorde un contrat à la compagnie Kalini Company. Merci beaucoup, M. Limoges. Madame Boisverroy, à vous la parole. Merci, Madame la Présidente. Alors, pour les rapports de la Commission pour les 5 dossiers qui nous occupent, le 80-20-46, alors la Commission, dans ce dossier, a examiné ce contrat à Simo Management Inc. pour l'inspection de chambres d'aqueduc souterraines sur le réseau principal d'aqueduc. Le montant total du contrat est de près de 4,4 millions et il a été examiné en vertu du critère suivant. Il s'agissait d'un contrat de service professionnel d'une valeur de plus de 1 million pour lequel il existe une seule soumission conforme reçue suite à un appel d'offres. Alors, les commissaires ont demandé des précisions et des clarifications, entre autres, sur la façon dont sera évalué le rendement de la firme sur l'option de prolongation de 2 ans, sur la capacité de la Ville à entreprendre des discussions avec le soumissionnaire dans le but de conclure un contrat à un prix moindre et sur les différences observées quant à la réponse du marché par rapport au contrat octroyé l'année précédente pour ce même service. Les explications fournies par les représentants du service ont été à la satisfaction de la Commission. Les membres ont reconnu l'importance de poursuivre les inspections systématiques de façon structurée afin d'avoir une meilleure connaissance des actifs et donc de pouvoir mieux planifier les investissements à long terme. Le fait que le service ait tiré parti de l'expérience du précédent contrat du précédent contrat pour ajuster les exigences du contrat actuel a été souligné, tout comme le fait de rémunérer l'adjudicataire à l'unité,
c'est-à-dire au nombre de vannes inspectées pour une meilleure garantie de rendement. Alors, au terme de son examen, la commission a constaté à l'unanimité la conformité du processus tenu dans le cadre de cet octroi. Pour le 80-20-47, Madame la Présidente, la commission a examiné ce contrat à construction d'Éric pour la réalisation de travaux de construction d'un système de mitigation des variations de pression dans les bassins de contact d'ozone à l'usine de production d'eau potable à Trotteux. Le montant total des contrats est tout près de 29,1 millions et celui-ci a été examiné en vertu des critères suivants. Premier critère, un contrat de plus de 10 millions. Deuxième critère, un contrat d'exécution de travaux d'une valeur de plus de 2 millions pour lequel il existe un écart de prix de plus de 20 % entre l'adjudicataire et le deuxième plus bas soumissionnaire conforme ou celui ayant obtenu la deuxième meilleure note totale suite à l'utilisation d'une grille d'évaluation. Et enfin, un écart de plus de 20 % entre l'estimation interne effectuée pendant le processus d'appel d'offres et la soumission de l'adjudicataire. Les commissaires ont demandé des précisions sur les raisons permettant d'expliquer l'écart constaté entre l'estimé interne et la soumission de l'adjudicataire, sur la durée de l'appel d'offres, sur la technologie technique utilisée, sur l'ajustement éventuel de l'estimé en raison de la pandémie, ainsi que sur les exigences demandées aux entreprises. Deux questions additionnelles ont été acheminées au service par écrit afin d'obtenir des précisions concernant les contrats antérieurs inscrits au sommaire décisionnel, ainsi qu'une vision d'ensemble des coûts engagés jusqu'ici dans le projet d'ozonation. Les explications fournies par les représentants du service ont été à la satisfaction de la commission, notamment celles justifiant les écarts de prix. À l'issue de son examen, la commission a constaté à l'unanimité la conformité du processus tenu dans le cadre de cet octroi. 80-20-48, Madame la Présidente, la commission a examiné ce contrat à Duroking Construction pour des travaux de réaménagement de l'avenue des Pins entre les rues Saint-Laurent et Saint-Denis et pour des travaux de la Commission des services électriques de Montréal. Le montant total des contrats est tout près de 27,5 millions et celui-ci a été examiné en vertu du critère comme quoi le contrat est de plus de 10 millions. Les commissaires ont demandé des précisions sur l'horizon de réalisation du projet. Il a été également jugé intéressant que les impacts du projet sur le développement durable aient été précisés de façon concrète. Les explications fournies par les personnes représentant le service ont été à la satisfaction de la commission. Celle-ci d'ailleurs salue le fait qu'il s'agit d'un projet structurant intégrant réaménagement de surface et travaux d'infrastructures souterraines. Elle note également que les travaux de belle intégrés au contrat seront remboursés par la compagnie en vertu de l'entente avec la ville. À l'issue de son contrat, la commission a constaté à l'unanimité la conformité du processus tenu dans le cadre de cet octroi. 80-20-49, Madame la Présidente, la commission a examiné cette entente cadre au regroupement de firmes Groupe Marchand Architecture et Design Inc., GMAD Architectes et les services EXP Ingénierie pour la fourniture de services professionnels en architecture et ingénierie pour divers projets de la direction de la gestion des projets immobiliers pour une durée de 36 mois. Le montant total des contrats est tout près de 6 millions et celui-ci a été examiné en vertu du critère suivant. Il s'agit d'un contrat de services professionnels d'une valeur de plus d'un million pour lequel il existe une seule soumission conforme reçue suite à un appel d'offres. Les commissaires ont demandé des précisions sur les raisons permettant d'examiner le faible nombre de soumissions, sur la période de publication de l'appel d'offres et son impact éventuel sur le nombre de soumissions. Les explications fournies par les personnes représentant le service ont été à la satisfaction de la commission. La commission note également qu'il s'agit d'un marché bouillonnant et que les firmes du marché sont saturées, ce qui explique le peu de soumissions reçues. Les membres soulignent le fait que la Ville a exercé son droit de négocier avec le soumissionnaire et que cela a mené à une baisse de prix satisfaisante dans le contexte. À l'issue de son examen, la commission a constaté la conformité du processus tenu dans le cadre de cet octroi. Et enfin, Madame la Présidente, 80-20-50, la commission a examiné ce contrat à la compagnie Kellany Company pour la fourniture de services professionnels en architecture et ingénierie pour la fourniture de services professionnels d'interprètes et de traducteurs judiciaires requis à la Cour municipale de la Ville de Montréal, soit les lots 1 et 2 pour la période du 17 juin 2021 au 16 juin 2023. Le montant total des contrats est tout près de 1,8 million
Celui-ci a été examiné en vertu du critère suivant, soit le fait qu'il s'agit d'un contrat de service professionnel de valeur de plus de 1 million pour lequel il existe une seule soumission conforme reçue suite à un appel d'offres, alors le lot 2, et le fait que l'adjudicataire en est à son troisième octroi de contrat consécutif pour un lot récurrent, un contrat récurrent, pardon, soit le lot 2. Les commissaires ont des précisions sur les raisons permettant d'expliquer le choix de scinder en deux lots le contrat, sur les efforts déployés par le service pour comprendre les motifs de désistement des deux autres preneurs du cahier des charges et sur les obligations de la Cour municipale de fournir des interprètes. Les explications fournies par les personnes représentant le service ont été à la satisfaction de la commission. Celle-ci constate que des efforts pour stimuler davantage la concurrence ont été menés par le service. Toutefois, la firme Keleni demeure la seule firme au Québec spécialisée en matière judiciaire dont le modèle d'affaires répond à l'envergure des besoins de la Cour municipale. La commission déplore par ailleurs que les deux preneurs n'ayant pas soumis n'ont pas fourni de motifs à leur désistement. Ces informations auraient permis d'alimenter la réflexion actuelle du service pour identifier les moyens de répondre de façon plus agile à la réalité opérationnelle de la Cour municipale montréalaise qui est unique au Québec. La commission encourage le service à poursuivre sa réflexion en ce sens à la lumière du monopole exercé par l'adjudicataire et en passant, il y a 120 langues qui sont utilisées à la Cour municipale de la Ville de Montréal. À l'issue de son examen, la commission a constaté à l'unanimité la conformité du processus tenu dans le cadre de cet octroi. Voilà, Madame la Présidente. Merci. Merci beaucoup, Madame Boisvin-Roy. Il y a Monsieur Rotrand qui a une intervention. Oui, merci, Madame Présidente. J'ai une question concernant 2048. J'ai lu le dossier et il y a mention dans le dossier, je le trouve encore, sur le libellé de développement durable qui dit le suivant. Le projet favorisait le transfert modal vers le vélo en restreignant la place d'automobile et en permettant la construction d'infrastructures cyclables protégées. La plantation nombre 1 permettre de retenir les eaux pluviales, de purifier l'air et de limiter les îlots de chaleur. Et il y a également un diagramme artist rendering en anglais qui démontre que la rue va être très, très étroite. On parle de l'avenue des Pins ici jusqu'à entre Saint-Laurent et Saint-Denis. Le diagramme semble indiquer qu'il n'y aurait pas de stationnement sur cette rue. Donc, ça semble être un changement radical de la géométrie de la rue, mais j'étais pas capable de trouver dans le dossier combien d'espace de stationnement va être retranché. Est-ce que c'est l'ensemble de stationnement des deux côtés d'avenue des Pins qui va être enlevé? C'est pas clair dans le dossier. J'aimerais mieux comprendre avant la vote. Merci. Parfait. Merci beaucoup, M. Rotrand. M. Ouellet. Oui, merci, Madame la Présidente. Donc, en droit de réplique pour 2048. Donc, comme c'est le cas dans plusieurs projets au niveau de la Ville de Montréal, quand il y a des infrastructures souterraines qui arrivent en fin de vie, on fait la réflexion, on se force à faire la réflexion sur de quelle façon on pourrait reconstruire la surface, étant donné que le coût de la surface est souvent négligeable quand on est déjà obligé de tout refaire l'infrastructure souterraine. Il faut savoir que l'avenue des Pins n'a pas, historiquement, n'avait pas la configuration qu'on la connaît présentement. Hein, présentement, là, on voit là, à plusieurs endroits, là, les trottoirs sont très étroits, ils sont directement collés sur les maisons. Ça n'a pas toujours été de même. Ce n'est pas mon arrondissement, donc je ne sais pas exactement en quelle année il y a eu ce transfert-là, mais c'est probablement dans les années où Montréal a finalement sacrifié énormément de ses boulevards de prestige, de ses rues résidentielles, de ses rues commerciales au tout à l'auto. Et c'en est un bon exemple. Donc, évidemment, quand on décide de reconstruire, bien, on le refait au goût du jour. Et il y avait énormément de besoins sur l'axe des Pins. Là, on parle de la phase 1, mais la phase 2 jusqu'au boulevard Parc a aussi à peu près les mêmes problématiques. Donc, essentiellement, absence d'arbres, trottoir assez étroit,
Absence aussi de liens cyclables, alors qu'il y a, beaucoup d'utilisateurs dans ce coin-là aussi, étant donné que c'est à plat, contrairement à ceux qui passent par la montagne le long du parc Jeanne-Mance. L'arrondissement avait déjà fait des modifications au niveau de l'aménagement, au niveau, entre autres, du stationnement pour que ce soit plus facile, notamment pour les vélos. En termes de nombre de places, je n'ai pas l'information, mais j'imagine que mes collègues au niveau de l'arrondissement vont pouvoir vous le mentionner. Mais d'un point de vue infrastructure, d'un point de vue mobilité durable, c'est un excellent projet. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Ouellet. Alors, il n'y a pas d'autres demandes d'intervention. M. Rotran, sur le même point? Non, je n'ai pas inscrit ma vote pour le 2048. Je vais voter contre. Juste pour être prudent, il me semble que je n'ai pas eu la réponse exacte que j'ai besoin. Et ça me semble que l'ensemble des stationnements va disparaître dans ce zone. Sans doute, on va attendre des citoyennes une fois que les travaux commencent. On inscrit votre dissidence, M. Rotran. Merci. Alors, outre la dissidence de M. Rotran sur le 2048, les autres dossiers, il n'y a pas d'autres interventions, les autres dossiers sont adoptés. M. Limoges. Oui, bien sûr, Madame la Présidente. Alors, ça nous amène à réunir 2051 à 2055 et en 2051, on accorde un contrat Fujitsu Conseil. En 2052, on conclut une entente cadre avec 93-73-59-42 Québec Inc. En 2053, on conclut des ententes cadres avec Metal Impact. En 2054, on accorde un contrat d'exécution d'œuvres d'art et artificielles. Et en 2055, on accorde un soutien financier totalisant la somme de 135 000 $ à différents organismes. Merci beaucoup, M. Limoges. Madame Boisverrois, je vous laisse aller avec ou quelques rapports. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, donc, 80-20-51, dans ce cas-ci, la Commission a examiné ce contrat à Fujitsu Conseil Canada pour l'acquisition d'une solution d'affaires pour un système intégré des opérations de la Cour municipale du service des affaires juridiques de la Ville de Montréal pour une période de 7 ans. Le montant total des contrats est tout près de 20,9 millions et celui-ci a été examiné en vertu du critère suivant, soit un contrat de plus de 10 millions, un contrat de biens et services d'une valeur de plus de 2 millions pour lequel il existe un écart de prix de plus de 20 % entre l'adjudicataire et le deuxième plus bas soumissionnaire conforme, ou celui ayant obtenu la deuxième meilleure note totale suite à l'utilisation d'une grille d'évaluation. Les commissaires ont notamment demandé des précisions sur les raisons de la non-conformité administrative d'un soumissionnaire et sur les écarts constatés pour les coûts de soutien, de maintenance et d'hébergement entre les soumissions. Les explications fournies par les personnes représentant le service ont été à la satisfaction de la commission. Celle-ci accueille avec intérêt les exigences de la Ville en matière de sécurité et salue le fait que l'hébergement des données sera fait au Canada uniquement. La commission souligne avec grand intérêt le nouveau mode de sollicitation utilisé qui constitue une première. Elle reconnaît que ce processus permet de réduire les incompréhensions et de clarifier les attentes et obligations contractuelles, ce qui permettra de faciliter la gestion du contrat par la suite. À l'issue de son examen, la commission a constaté à l'unanimité la conformité du processus tenu dans le cadre de cet octroi. 80-20-52. La commission a examiné ce contrat à 93-73-59-42 Québec Inc., soit signalisation AMC, pour la fourniture sur demande de services d'intervention diverses, en signalisation routière pour une durée de 24 mois. Le montant total des contrats est tout près de 3 millions et celui-ci a été examiné en vertu du critère suivant. Un contrat d'exécution de travaux d'une valeur de plus de 2 millions pour lequel il existe un écart de prix de plus de 20 % entre l'adjudicataire et le deuxième plus bas soumissionnaire conforme ou celui ayant obtenu la deuxième meilleure note totale suite à l'utilisation d'une grille d'évaluation. Un écart de plus de 20 % entre l'estimation interne effectuée pendant le processus d'appel d'offres et la soumission de l'adjudicataire. Alors, dans ce cas-ci, Madame la Présidente, les commissaires ont demandé des précisions sur la nature des articles ajoutés par amendement, sur les quantités requises au contrat versus le contrat précédent, les raisons de la révision des besoins et sur les moyens mis en place pour garantir une exécution adéquate
par la firme et sur l'évolution du marché. Les explications fournies par les personnes représentant le service ont été à la satisfaction de la commission. Celle-ci note par ailleurs que les efforts en matière de mobilité active et collective, ainsi que les investissements majeurs requis en matière d'infrastructure à Montréal, laissent présager une demande croissante en matière de signalisation dans le futur. À l'issue de son examen, la commission a constaté à l'unanimité la conformité du processus tenu dans le cadre de cet octroi. Et enfin, le 80-20-53, la commission a examiné ce contrat à Metal Impact Inc. pour la fourniture de métaux bruts pour une durée de 12 mois avec une option de prolongation de 12 mois. Le montant total des contrats est près de 2 millions et celui-ci a été examiné en vertu du critère qu'il s'agit d'un contrat que le comité exécutif ou un conseil d'arrondissement juge nécessaire de soumettre à la commission. En réponse aux questions des commissaires, il a été expliqué que les prix de certains matériaux sont extrêmement volatiles, notamment celui de l'acier, ce pourquoi l'adjudicataire du premier appel d'offres s'est d'ailleurs désisté. Une vigie du marché des produits de métaux bruts a été entreprise depuis par le service de l'approvisionnement dans le but d'adapter la méthode d'indexation des prix. Il est précisé que les contingences prévues au contrat fixent un prix plafond que la Ville peut payer pour ses matériaux. Dans le cas d'un désistement de l'adjudicataire, comme dans le cas du premier appel d'offres, des sommes seraient retournées à la Ville en compensation. Ainsi, il est souligné que les différentes clauses prévues au contrat permettent de limiter au maximum les coûts pour la Ville dans un contexte où les prix des matériaux sont en forte augmentation. Au terme des discussions, la Commission constate que la stratégie adoptée par le service est un compromis acceptable entre les différentes obligations contractuelles de la Ville dans un marché où les prix des métaux est extrêmement volatile. Elle se dit satisfaite des explications obtenues et à l'issue de son examen, la commission a constaté à l'unanimité la conformité du processus tenu dans le cadre de cet octroi. Merci. Merci beaucoup, Mme Boisvin-Roy. Monsieur Sarri, maintenant, vous la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. J'espère qu'on m'entend bien. J'interviens sur le 80-20-51 et je remercie Madame Karine Boivin-Roy pour sa lecture du rapport de la commission permanente sur l'examen des contrats. Ça vient un peu pour expliquer trois points que j'aimerais plutôt soulever pour le profit de l'ensemble des conseillers et conseillères ici présents avec nous. Et j'aimerais, pour le porteur du dossier, qu'il nous rassure par rapport à trois éléments. Le premier, c'est ce que Mme Karine Boivin-Roy nous a expliqué au niveau de l'examen des contrats par rapport au premier soumissionnaire et bien évidemment l'écart qu'on a eu au-delà de 20%. Je comprends que le premier soumissionnaire a quand même une certaine avance ou un certain avantage par rapport aux autres, et je l'ai bien compris. Cependant, au niveau contractuel, on peut avoir cette justificatif, mais au niveau de la gestion des technologies de l'information en général, moi, ça me rassure un peu moins. Et je m'explique du fait que quand on est pris avec un genre de fournisseur, notamment en info nuagique, ce qu'on appelle le software as a service, comme c'est ce qu'on va payer dans ce contrat-là, je vais revenir un peu sur le prix par la suite. Je voudrais juste que le porteur du dossier nous rassure par rapport à ce qu'on n'est pas pris avec un soumissionnaire ou avec un fournisseur unique dans ce cas-ci. Alors, c'est comme si on a un fournisseur unique. Deuxième point, je sais qu'il se fait un peu tard, il reste quelques minutes, mais quand même le montant sur quelques années est quand même assez important. Je pense que pour le bien de tout le monde ici présent, que le porteur du dossier, encore une fois, nous rassure par rapport au montant et surtout de faire le lien avec le mot intégré. Quand on parle d'un système de gestion intégré ou un logiciel de gestion intégré, ça vient pour l'intégration de l'ensemble des modules d'affaires de la cour municipale. Et on sait très, très bien que plusieurs autres systèmes en dépendent, plusieurs autres solutions d'affaires en dépendent. Et je voudrais tout simplement que le porteur du dossier nous explique ou nous rassure parce que, à ma connaissance, à ma mémoire, il y a eu d'autres dépenses qui ont été faites ou réalisées, toujours en lien avec des processus d'affaires de la Cour municipale. Alors, je pense que même avec la lecture du sommaire décisionnel, il reste quelques éléments. Pour moi, c'est toujours nuancé. Mais peut-être que le porteur du dossier pourrait
ce soir et avec les minutes qui restent, s'il peut nous rassurer à cet égard-là. Voilà, Madame la Présidente, je sais qu'il se fait un peu tard et mes propos sont un peu techniques, mais quand même, on parle ici d'un contrat de 20 millions de dollars, plus presque un 21 millions de dollars. Alors, si c'est possible, qu'on puisse prendre le temps pour bien répondre à ces questions. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Sari. Je laisserai la parole à Mme Gosselin. Je ne sais pas si vous avez assez de temps pour poser votre question. Sinon, on va ajourner et reprendre demain matin à votre convenance. On n'aura pas les réponses ce soir, non? Sûrement pas. OK. On va reprendre sur ce débat demain, à la reprise des points après la plénière. Alors, je vais reprendre avec les mains qui sont inscrites au tableau pour de 20-51 à 80-20-55. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne fin de soirée. On se voit demain matin à 9h30. Merci. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée, Madame la Présidente. Salut, bonne soirée.